RE, RE, ah, il y a l'écran, attends. Oh, 2 secondes, je mets le petit message et j'apparais. Alors, pof. Bon. Les petits donjons de tout à l'heure là sur le moine étaient bien cool. Juste marquer le petit message. Alors, pof pof. Tac. Je me mets mon petit retour. Allez hop! Et salut! Retourne-moi! Yo les gars, ça va. Et du coup, ce soir, on est en Red NM. Du coup, avec les rerolls. Donc, ça va être sympa. On est sur le plancton fufu là. C'est vraiment un perso que je kiffe bien jouer en ce moment. Il est vraiment cool. Mais pour le moment, c'est vrai qu'en mono, par contre, j'ai un peu plus de mal à envoyer. Parce que je suis pas mal optimulti, forcément. Pour le mythique plus. C'est vrai que dès qu'il y a un peu de cliv ou quoi, je remonte vite quoi, c'est cool. Moi je vais me mettre du coup le petit retour vidéo. Hop. On va se mettre ça. Alors. Paf. Ok. Hop. Et voilà. Tac. Ok. Bon, on va les rejoindre sur Discord. J'avais coupé le son le temps de faire ça. Hop. Vous allez tous passer les loots Héreux. et ils vont tous s'afficher. Donc vous vous mettrez si c'est si vous en avez besoin ou non. Ça s'affichera dans ma fenêtre à moi. Et en fonction des needs, Je vais j'essaierai baisser de un peu. rétablir au mieux les loots. Tout le monde est sur Discord là ou pas? Que je mette vite bah, Ceux qui ceux ne qui sont n'ont pas là, pas lèvent n'ont la pas à main. répondre. Allez, Okay. let's go. Est-ce qu'on a donné le Discord à tout le monde? C'est ça la question. Myrgal, t'es là? Ouais, Normalement, oui. Myrgal est là. Ok, On on a doit envoyé le tous lien du être là. Discord. On Il y va voir. aura certains loots, certains, qui seront peut-être Hop. prioritaire sur des mains. Donc des mains, il n'y en a pas beaucoup. Sûr. Il y a Shino, Sika, Je mets le Latou. retour les 2 secondes pour leur Ouais, son, il y a le parce Ruin en qu'il faut que sprint je les aussi, monte un je petit pense, peu. pour chasser un peu le Il y Razor, a mais bon. Fallen et bien sûr l'arc est réservé sur Azaghet. Donc tant mieux, il n'y a pas d'autres hunts. Hop. Voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon après, Ok. ça sera du round. Ça sera du Ok, bon, round parce normalement. qu'après, c'est que du reroll. J'espère que vous l'entendez bien. Enfin, ce Que sera vous du entendez round bien tout au le monde. besoin ou en fonction de la pièce que vous Juste avez. On que je essaiera baisse d'en un discuter, peu. etc. Hop. Il y Platoon, aura c'est une peut-être de Arras. Arras, ou... tu viens avec ton DH? Pardon? C'est... Je pue la Quoi? merde. Si je viens, je viens tant que je DPS 0, Bah, j'entends rien, je sais pas jouer une épée. Sika, il va DPS, il va nous carry. Hein. Il faut que je quitte et je reviens. En plus, il va prendre la PI de Platoon, donc... Ouais, Hein, enfin, j'ai quoi? pas mon 4-temps, tu me l'avais pas donné hier, mais... Bah, ouais, Allez! t'avais Ça dit les vrais infos, là. Attends, tu veux dire ne pas mettre Omega Vis comme certains alors que c'est Ah pas un oui, hier on Omega était Vis? en Ah non, raid, tu il s'est l'es passé mieux pas mal de derrière. trucs sympathiques, on a fait un run assez Enfin, ouf. mon Omega Vis, frérot. C'est Jamais. l'upgrade qui me donne mon 4 parts. Ouais, d'accord, putain, on n'a pas vu qui. Je sais, je veux Si stream on du avait coup vu les qu'on a des raids pourtons mythiques et 4 raids pattes, en fait HM. t'as écrit 4P Ouais, dans la ils sont note. cool. T'as écrit Non, 4P dans la note. j'ai écrit Je 3P, suis ça me donne mon 4 parts. T'as pas Ah, l'historique? tu es mytho. Non, j'ai pas d'historique, c'est pas Salut. moi, c'est Salia Je qui savais pas lire. Je viens de voir le retour, j'ai. Où tu es Ah, je sais pas quoi faire en Bon, sortant allez, on peut de l'eau, je sais pas quoi rentrer ou pas faire. raid Je fais qui part dans tous les normal? sens. Ah ouais, en normal, oui. Ça y a, Du coup, il il a nous lu de manque travers, des il a gens, fait non? vite off, et il a oublié de lire la phrase Bah, complètement. let's go, hein. Il y a qui Ouais, d'autre? let's Bah, il y a go. Mamas, non? Mamas, il veut pas venir? Je sais Pas pas vraiment, venir. les gars. Si, il a dit qu'il Laissez-moi, venait. ou si vous avez besoin, je viens, sinon je vais faire mes kills tranquille, mais comme vous voulez. Si vous avez besoin, je viens, je m'en fous. Je peux même venir avec le Hunt, hein, je m'en bats les couilles. Si vous avez besoin d'aide à un moment, vous me dites, ah, je suis là. Ah bah, viens avec l'Hunt alors, comme ça tu peux nous aider. Non, fais Je suis sûr, pas hein. ça, fais pas ça. Alors, qui a d'autres? Il y a RATP,
Ah, il a déjà stuff, je pense. Tac. Os, on va rien dire. Moi, j'ai mis une alarme sur le conseil. Je vais aller voir l'historique. Je suis sûr que j'ai mis le trinket sur le conseil. Vous m'excuserez. Ok, trinket. Carrément. Non, je crois pas, non. Oh, pas quoi. C'est hyper opti sur mon tank. Ouais. Tu parles du trinket Omega Beast de tout le monde là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'il était en train de dire. Il est Omega Beast que pour DK. Alors, je crois gentiment. Tu veux aller te faire foutre. Je sais pas pourquoi. A mon avis, même s'il y en a deux qui tombent, bon. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je fais un appel. Bougez-vous. Non, pas eu de TP. Go dehors, go de faire un TP vite fait. Il y a pas de démo. Vas-y, les Chinois, on y va ensemble. Ah, c'est Myriel. Let's go, Myriel. Yep. Allez, Myriel, fonce. Moi, j'ai pas besoin de BL, une druidille. De la chance, je trouve pas dans CSV les notes des gens sur Inwood. Ah, mais t'es là en fait? Ouais, j'arrive sur place. Ah ok, plus personne n'a besoin de TP, c'est bon. Alors, Moikora, 4 versions. Peut-être que je mette à jour avant. Non, c'est bon, bah elle est arrivée, je te voyais pas et elle est arrivée. Je me suis débrouillé toute seule. Ah ouais, putain, merde, je suis en spé-mythique. Non, c'est bon, c'est Chago, t'es en spé-mythique plus là. C'est parti, on prend les dragons et let's go. Non, pourquoi? Y'a un truc qui te gêne? Non. C'est ma tête qui te revient pas. Non. Si. Ouais, ma gueule. Non mais vas-y. Qu'est-ce qu'il y a la masse P? Je vais rien dire, c'est bon, stop, moi j'arrête là. Non mais vas-y. À gauche. Ah si ça peut l'aider, dis-le au pire. Mais non, c'est non, je sais pas. Bah ça c'est pas l'état, c'est pas forcément les talents de raid, mais c'est pas bon. Non, c'est même pas ça, c'est que je regardais juste un peu comment jouer pour savoir si j'ai des points à améliorer. Il n'y avait juste aucun talent en commun, donc c'est pour ça. Ah, carrément. Ouais. Nous n'avons rien en commun. Nous ne venons pas du même monde. Écoutez, t'inquiète pas trop, Chino a pas beaucoup de talent. Donc... Non. Ouais, c'est vrai que... on va rester sur il ça. Il n'y a pas mis la barre très haute. Non, ça va, ça devrait aller. Sûrement plus haute que moi. Non. Allez, ça y est, l'autoflagellation. On là. On commence pas à dénigrer les gens. Ah, bravo. Tu vois ce que tu fais, Chino? Tu vois, moi je ramène des invités, ils sont gentils et tout, ils sont dans leur coin et ils font des totems. Et voilà comment tu les traites, hein, bravo. Mais pas du tout, je demandais juste comment. C'est sympa. Mais j'ai rien de méchant. Ils sont aussi psychotiques que ça. Fouettez Chino, fouettez-le. Ça se voit pas du tout. Hein. Attention, elles sont copines, hein. T'en attaques une, t'en as deux sur la tête, hein. Ah, c'est ce que je te dis, heureusement qu'il n'était pas là ce soir. Non, le premier truc que je me suis dit, c'est bien, tu commences bien en parlant comme ça un heal, tu tiens pas à rester en vie pendant le raid. J'avoue, c'est ouais, les deux heals en plus. Elles ont noté ton nom. Je serai heal s'il y a besoin. En plein combat, ça va être compliqué. Après, vous démerdez, moi tant pis, hein. Si elles veulent pas me heal, je vais passer. Il va être dans un coin de la salle. Ouais. Ou la flûte dans le fond en boule. Laissez-moi mourir. Aïe. Ça sent quand même leur attrape. En tout cas, regardez-moi, c'est des pièces de plancton là, vous voyez pas pareil sur les boss, donc profitez-en. Eh, t'as combien de level du coup 89. Ouais, oh, t'as. Bon. C'est pas le level qui compte. C'est un rogue. Pourquoi j'atterris dans le mob? T'as mis sa mère. Et elle joue quoi? Ah ouais, elle joue à milieu. Alors là, par contre, tu vas être ma muse de ce soir. Je te préviens. Ça devient très glauque, monsieur. Tu parles à qui? Le seul chaman à milieu qu'il y a dans le raid en plus. Alors, de ah, Migal. Oui, c'est interdit, hein, je te rappelle. J'avoue. Est-ce que tu acceptes ces avances? Oui ou non? Coche la case. Ah oui, c'est vrai. Le seul chaman à milieu. Rectification. Bah là j'en vois qu'un. Bah. Non. T'es. Non, si, il est Amelio Miguel. Oui. Oui, Miguel, c'est Miguel que je parle. Ah. Autant pour moi.
Je me suis consensué exactement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai vraiment aucun truc, quoi. Oh, le raid commence par un bashing de Shino, là. Comment avoir une bonne cohésion, une bonne ambiance dès le début. Shino qui tente un coming out, Shino qui se fait deny. Waouh, il s'est fait virer de la maison, quoi. Et le coming out a raté. La tuile, échec critique. Ah bah là, je me suis fait balayer, hein. J'ai pris une petite tuile dans les tapis et... Platoon. 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 Marc. Platoon. Platoon. Je vais pas répondre, je vais pas répondre. Platoon. Alors, heureusement qu'on sait que c'est son pseudo. Demain, reviens, les petites polacs, c'est demain. Qu'est-ce qu'a crié l'autre derrière là? Platoon. Toi, y'a pas que moi qui se fait stash ignoré. Elle vient pas en raid, culé? Non, pas pour l'instant en tout cas. Bah, là, genre, il a FK. Platoon, c'est mort. Hein. Genre, il bouge plus, Platoon. Bouge plus, mec, là. Attends, attends, tu vois. Tu vois, après, il réapparaît, il fait. Ouais. C'est ça. J'étais pas là, j'étais en train de faire mon café. On connaît le Platoon. Le café de Platoon. Pardon, j'arrive. T'étais en train de faire un café ou pas? Mon cul. Ouais, c'est ça, et surtout j'ai bien rigolé quand B est tombé. Là, tu vas te claquer, je te jure, je vais te claquer. Ah, mais j'en pouvais plus, B. Comment ça? Oh là là. On a bien compris, t'inquiète pas. Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai bien rigolé. Pierre et Guizet sont où ces connasses? Là. Quelqu'un a de la bouffe pour moi? Je sais même pas comment ça joue à Meio. Putain, j'en ai même pas pour moi. Ah, ça commence bien, il arrive à poil. À minuit, on n'a pas fini. Oh, ouais, merci, vous pouvez manger. Waouh! Franchement, c'est la meilleure extension pour le chaman à Meio. Hein. Moi qui ai pu baisser. Ça a l'air sympa, fellow Amelio de BC. Yep. Ça a été la première classe sur laquelle j'ai raid un peu plus sérieusement un BC. Première classe où j'ai vomi. Pourquoi je le vois en... Allez, on va y aller. C'était incroyable. Premier perso, mais c'était... Il y avait quand même 3 boutons de vanille. Hein. Grosse rotation. Et c'était Chamelio à la 2. Hein. Comment? Aucun des deux, sans doute. 5. 0, 3, par contre. 4. 3. 2. Elle décompte. Oui, d'accord. Il y a pas de DBM pool, quoi. Non, c'est bon, il y a pas de. Bon, j'ai pas besoin de DBM maintenant. Allez, moi, c'est carte un petit peu. C'est les autres du côté du boss. Je mets un carré du côté opposition. Essayez de les regrouper, les ads. Ouais, je vous en supplie. C'est normal, ça. Oh là là. J'ai. C'est proche d'un des autres, histoire que les ads sont passés avec une vidéo. Youpi! Pourquoi j'ai pris une spé full DPS alors que j'ai genre 40 dégâts d'avance? Ouais. C'est ma pire idée. Allez, on soque! Non, mais arrête! Hein. Faut que je fasse là? Ouais, vas-y, reprends! Les gens connaissent vraiment la stade, donc. Je sais pas. Fais pas ça! Non, derrière! Alors, essayez de vous regrouper avec les AOE de feu quand vous les avez sur le c'est zones. Entre le boss et les dernières flaques pour les flaques. Attention aux AOE, esquivez. Non, voilà. On va écarter le boss un petit peu, comme ça vous pourrez les mettre entre les flaques et le boss. Sans rester dans le cône. Oh là là, il y en a qui vont mourir. Ah, le petit glaçon. Jeffrey était là. Allez, mettez-vous côté feu. Mettez-vous côté feu. Mettez-vous côté feu. Voilà. C'était de l'autre côté, mais. Ouais. Non, je vais mettre un focus sur Sika quand même. C'était ce qu'il fallait. Tu es là qui va pas pour le bord. Taper la même cible que moi, au moins de pas les mêlés. On se retrouve dans les listes. Comment on fait pour backpad? Tu recules avec ta touche reculée. Comme il regarde, il a enlevé le backpad par exemple. J'ai pas de. J'ai pas, je suis cassé moi à base. C'est absolument c'est pas une excuse. En vrai, tu peux lancer le rank, je préfère garder le BR ou Cog. On va gratter comme jamais là sur les autres, ça sert absolument à rien. Et on repart en P1, c'est la même chose. Vraiment, je suis là, tu me déçois. Je peux rank aussi. Bah, je vais attendre. Bah, super. Bah. Quoi? Bah, je vais attendre qu'ils explosent. Pour prendre la rift.
ça va être de la chance. Allez bougez. Allez venez bouger. Du côté feu, côté plancton les copains. Et venez derrière le tank, comme ça les ZAD se rejoignent tous sur le boss. Par contre, Platoon qui est premier, non. Ça, non, Platoon, il passait devant moi. Arnaque. Il les attend trop vite. Si t'as fait un build AOE ici, tu vas être déçu. Bah en fait c'est le même build partout, c'est juste que je suis très fort en AOE. Ce et... genre de classe OP. Bah... Désolé, hein, moi je voulais qu'un ping. C'est-à-dire que t'as un build différent. AOE, il fait le dégât en mono et... Oh oui. Oh oui, oui, oui. J'ai littéralement pavé le bouton AOE quand je joue en mono. Ah super, on dirait un NBM quoi. C'est ultra polarisé là, c'est quand même pire. On ne marque pas des NBM s'il vous plaît. Bah c'était pas une mauvaise info, c'était vrai. Le NBM quand t'es en spé mono, t'as aucune touche pour AOE. Vraiment aucune quoi. Ah non, y'a pas d'AOE, ouais. pas de on parle juste des classes polarisées en termes de talent, en termes mono ou AOE. Le NBM en fait partie. C'est quoi l'AOE en Shaman Amelio? Flash Lightning. Le... Nova, le spread de ton Orion. Éclair, ouais. Je prends un éclair. 2... 1... Un pas coudroyant. Ouais, je retrouvais une droite feu. Ça, je suis pas... Tu joues peut-être pas en c'est quoi ce sort-là, j'ai entendu. Non, je l'ai pas, ce sort-là. Ah d'accord. Il n'a pas tout rien, c'est compliqué, si tu veux pas. Mais je l'ai pas. J'ai vraiment entendu c'est quoi ce sort-là. En plein trait. C'est ce sort... ce que c'est ce sort-là quand même, monsieur, mais... Bah t'as oublié de le mettre dans tes barres, frérot. Hein. Non, je l'ai pas, je l'ai vraiment pas. Vérifie quand même. Hein. Bah j'ai frappe de glace. Voilà, Platoon, reste à ta place. Ah bah voilà, le truc. Ah j'avoue, un peu bien. Que je prenne mes marques là, j'étais pas du tout. Non mais là c'est très bien comme ça. J'étais complètement à l'ouest. Normalement si tout le monde a RC loot, ça le passe autour. Hein. Vous avez tous RC loot, on est d'accord. Normalement oui. Est-ce que j'ai des sorts? Bah non, j'ai pas de sorts en fait, c'est pour ça que ça marche pas. Chino pour au sol. Qu'est-ce que talent dans le truc aussi. Qu'est-ce qui a gagné le casque, donc t'as pas. Qu'est-ce que tu fais Chino? Bah, il fait n'importe quoi. Fait passer chaud. Non, t'as non, fait Cupi. Bah, non. Oh non, ah, il a percé loot. Le sagouin passe. Moi, j'ai juste cliqué sur le mauvais dessus, c'est tout. Mais t'es pas mais censé t'as cliquer. Pas activé RC loot, du coup. Bah oui, parce que moi, j'ai pas. C'est ça, RC loot, j'ai pas RC loot. Non, moi, je n'ai pas RC loot. C'est normal, j'ai refait mon interface. Je suis réinstallé dessus. Alors, fais slash RC config et vérifie que tu es bien en passage auto. Ah. On peut plus voter pour les loots en paix. Ah, on peut plus du tout voter pour les loots en paix. Attends, moi je n'ai pas de passer automatiquement, passer automatiquement, passer automatiquement, passer automatiquement. Afficher la réponse. Ah, le petit chum est en train de se faire démonter la tête. Salut Mali. Ouais, taper, exactement. J'ai remis alors. Ce n'est qu'un trash. Bah alors, votre premier boss, du coup, à vous deux, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pensé de Shinobu? Je suis mort. C'est inacceptable. T'étais où chez nous en fait? T'étais est-ce qu'il était pas trop dur ailleurs? Alors, gros, ah oui. Là, je sais pas, je te demande. Il y a un truc qui est à peu près équivalent à toi, je ne sais même pas l'utiliser ce truc là. Donc, est-ce que quelqu'un. Tout le monde a bien vu la maille hein? Personne ne veut de la maille hein? C'est bizarre ça. Bah, elle est éclatée en même temps cette tête. La tête, personne la veut là? Pour la transmo, même pas? Non. Myrgal non plus? Ok. Attends, je regarde le. Et pour la transmo, si vous la voulez pour la transmo, faites un rouge. J'ai passé sans vraiment regarder. Non, c'est éclaté au sol. Éclaté au sol. Et le bijou, ce sera donc bah, le seul, c'est-à-dire Lio. Ok, et ça. Donc qui c'est qui veut la tête, on a dit? Personne. Allez, ça n'a pas changé. T'as obtenu le loot pour passer. Il n'y a pas un désenchanteur au pire. Pour le death, sinon. Ouais, ce sera mieux, non? On vient de retirer les PO de la bouche à Myrgal. Bravo. Hein. On voit la trinquette. Très bien. Attends, je suis dépourvu. Merci. Alors je peux utiliser mon bijou parce que sinon j'ai 3 minutes de recharge et je sais pas combien de temps on va mettre pour aller jusqu'au boss. Avec ce groupe j'en ai aucune. C'est B qui a des trucs. Hein. Ah oui, c'est ça. Oh, B pas sur son démon, on va pas wipe sur Datera. Tu vas pas KO ce ball? Tu veux dire qu'il va pas laisser les ZAD dans le. J'ai parlé de toi à mes collègues de travail. Hein. Vraiment? Oh le mec il est atteint mentalement à ce point là quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens, ils écoutent pas.
pas ce qu'on leur dit, quoi. Et j'ai pris l'exemple de B, quoi. J'ai fait voilà, il y en a un, il fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Les deux pieds dedans. Bon, ses collègues ne jouent même pas au jeu, mais. Ah oui, tu te rappelles plus, mais. Il joue pas avec choc de glace par hasard? Frappe de glace, si. Vous jouez comment? Vous jouez avec la pluie négative ou pas? Je crois pas, hein, vous jouez pas en pluie. La pluie négative. Il y a le build gamba, mais. Je crois pas que le build juste le gamme, ouais. Je t'avoue que je vais pas regarder, hein, parce que je suis venu en touriste là. Il me semble que tu joues le build, monsieur. Le reste, je crois que c'est en build, mais. Faut demander à. Non, on pourrait avoir une table de mage, s'il vous plaît. On va pas c'est la moi. Timer hein, si vous la. Si vous, si vous faites. Tu peux demander une table de mage? Ah non, t'es quoi trop. Ouais, merci. Voilà. Hop, je gratte. Toujours bon quand je repasserai du côté de la lumière. Du côté obscur. D'accord. Parfait. Bonjour. Vas-y, charge-moi dessus, grand. Hein. T'as raison, dis-lui rien. Rien de dire. Pour le charge. C'est le conseil là. Yes. Tout café. J'ai pas de TLM sur celui-là, au moins je connais un peu comment faire. Oh non, mais pas de distance, qui va prendre le symbole? Hop là, tout le monde. Hop là, tout le monde le symbole. Oh, let's go. Allez, t'es ready, gros. Hein. Salut Frazi, putain ça fait un moment. Merci. Comment tu vas? Je suis désolé, j'étais concentré dans ma rota. J'étais en train de dire ok, on a ouais, c'est comme ça, je vais faire ça. Attends, il reste pas longtemps avant le prochain boss, du coup je vais pas utiliser ça. Oh, j'espère que tu vas bien. Ah ça fait grave longtemps. J'ai plaisir de te voir. Oui, on va dire bien. Et toi? Bah écoute, moi nickel. C'est comme écoute, moi, j'ai repris haut tranquillement, tout va bien. Soirée, ça se passe bien. Un jeu que j'adore, donc c'est cool. En plus nouvelle extension, tout ça. Oui monsieur, plaisir. Du coup ça joue à balle. Et toi quoi de beau? Quoi de beau? Ouais ça date de fou. Ça date de fou. Qu'est-ce que tu racontes de beau toi depuis? Sur quoi je passe tu tes moments de libre? Je suis à deux doigts de crever moi. On va se claquer une petite potion. On va mettre mes buffs là. Il y a des AOE partout, c'est un enfer. Ouais, ils sont trop chiants. Et encore, j'ai retiré mon add-on, ça sera encore plus chiant. Quoi? Tu sais, le Elitism Helper, hein. Tu pouvais choisir de mettre à chaque fois que quelqu'un slackait quelque part, de dire qui c'était, qu'est-ce qu'il avait pris et pour combien de PV. Du coup, je l'ai désactivé, maintenant il n'y a qu'à la fin où il le dit. C'est trop bon quoi. Du coup en fait ça marchait uniquement là, c'était compté comme des trash mythique plus et du coup ça spammait machin stacké dans la E pourtant avec ça, machin stacké dans la E pourtant avec ça. Ah t'es où? C'est horrible. Ah ça marque les slackers quoi. C'est pas très utile. Mais je t'avoue que là tout de suite sur ces trash là c'était pas très utile, donc je l'ai désactivé. Tu cherches une formation? Assassin's Creed Valhalla. Je l'ai pas testé. J'avais hésité à l'acheter quand il est sorti. Mais j'avais pris Call of. Finalement, j'ai pas beaucoup joué à Call of. Ça te permet de cracher sur tes potes plus facilement, quoi. Et ça m'a pas wow. Au moins, tu sais ce que t'as pris, c'est juste ça. Ouais. Tu regardes un journal de combat où tu regardes details et tu sais ce que t'as pris aussi, quoi. Écoute, si t'es pas optimisé, c'est pas ma faute, hein. Si tu slack pas, y a pas de phrase. Tout va bien. Si tu slack pas. Exactement. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que la clé, pas lire le canal, ça marche aussi. Ouais, alors. Là, c'est différent. C'est complètement différent, là. Ça n'a rien à voir. Une question de point de vue, hein. Je suis désolé. Cet add-on ne me pose pas de problème et pourtant je slack. Pourquoi? Parce que je ferme le canal. Parce que je joue avec l'écran fermé. Je joue en PU et je ne connais pas très bien le jeu vidéo et j'ai envie de faire aucun effort. Tout le monde connaît ici, hein. Enfin, tout le monde connaît les boss, j'ai pas besoin d'expliquer les strats. N'hésite pas à faire non, un. Non, j'ai jamais fait le raid, donc si tu peux faire un récap, s'il te plaît. Non, mais Myrga le connaît pas certainement. Non, je Jorah, je pense que c'est ok. Jorah, il l'a fait avec moi en LFR. Voilà, ouais, non, c'est non, la même chose quand LFR. Voilà.
Wow. Tu tapes, tu tues. En gros, Myrgal. Ouais. Il va y avoir des zones de terre au sol qui vont faire. Cherche une formation sur quoi d'ailleurs, Frazi, tu fais quoi toi dans la vie en fait? On va défoncer avec des grosses AOE de feu. Je crois pas que tu m'aies de quand t'as l'AOE de feu, tu te packs sur des piliers. On viendra sauc. On viendra sauc la personne qui a cette zone. GG. Là, les zones que tu vois au sol là, électriques, c'est la capacité qui va nous handicaper. Nous incapaciter un petit peu. Nous handicaper un petit peu. En fait. Dès quelqu'un la chope, s'il se patch contre d'autres joueurs, ils la prennent également. Donc le but, c'est d'aller près d'un pilier de terre qui va rester et ça va absorber ton debuff. Okay, et après ça, tu te barres. Donc un peu à la queue leu-leu et surtout pas foncer ou faire des dash vers les gens qui n'ont pas le debuff. D'accord. Et la troisième ou la troisième kappa, ouais, je crois que c'est il nous attire vers un des boss avec du givre. Et faut passer dans une zone de feu qui est au sol pour pas trop stacker. Si tu stacks 10 stacks, je crois. T'es glaçon. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et la grosse zone de feu, et t'as dit la grosse zone c'est piliers. Ouais, il faut soc. Si tu vas tout seul, tu meurs quoi. Okay, donc en gros, AO électrique, tu vas sur un pilier pour le dégager. Ouais. Dès qu'il y a le froid, tu vas dans le feu. Quand il y a la haute feu, tu vas dans les piliers pour les faire péter. Et tu soc, c'est réparti entre les gens qui sont dedans. Donc ça, c'est les distances. Donc les distances, vous restez paquet. Et les cac, on fait n'importe quoi. Ça marche pareil au cac. Et au cac on fait n'importe quoi, c'est vraiment ça que t'as dit. Ah ouais. Allez, ok. 4, 3, 2, 1. Ça part. Perturbe. Vraiment, ça perturbe vraiment. Et il enfonce. Tu sais, on peut faire des appels dans le jeu. Demande à mes connaissances. J'avais même pas besoin. Bon, normalement, là, ça devrait taper sec. Allez, Marc, écartez-vous. Restez pas sur vos copains. N'est pas sur les temps, vous serez mieux. Sur un poteau, ça vous permet de dégager. Un poteau n'étant pas vos copains. N'hésitez pas à lancer des cuts sur les deux casters, en particulier quand ils sont dépaqués. Ok, je vais essayer de me concentrer un petit peu, désolé si je parle un peu loin. À côté d'un poteau, chacun à côté d'un poteau, socké avec lui. Plus vous serez nombreux, moins il y aura des gars. Alors vous pouvez détruire plusieurs poteaux en même temps. Hein. Alors bon, je te reprends quand même. Je te reprends voie de feu, c'est ça? Ouais, c'est Brasil, on va sur les autres. Ouais, franchement, ça passe. Hein. Ça va, hein. Je suis concentré là un peu, désolé. Il va y avoir le blizzard, il faudra aller des stacks une fois. Voilà, il faudra des stacks une fois. Une fois où j'allais. Allez, allez-y maintenant, comme ça vous n'avez pas tous les stacks d'un coup. Il fait 10 stacks au total, c'est juste qu'il faut le faire au moins une fois. On y va, on y va, on TG. Ah mais j'avais pas cliqué mes bursts. Si on les marque pas le gros. Écartez-vous maintenant. Marque dans 1, les marques, écartez-vous. Et allez dégager vos marques en passant sur un poteau. Allez, pas sur les tanks. Ouais, je vois un petit UD trop proche des tanks. Je vois pas le nom, mais... Ouais, c'est un petit UD là. Y'a pas les marques encore. N'hésitez pas à cut là derrière la DATEA et soquer avec vos poteaux le feu. Pas mettre de H les unes sur les autres, by the way. Là vous êtes en NM, ça vous tuera pas, mais en héros ça vous tuera parce que c'est même une vulnérabilité. Pardon, je reprends pas. J'ai 5 buffs! Je peux reprendre nos pales. Allez, allez, tranquille quoi. Okay, je marque dans 2, marque dans 2, écartez-vous de vos poteaux. Si c'est sur moi, je crie, je pleure. Ah, faut que ça soit sur lui. Putain. tu vas perdre 2 secondes d'uptime, faut t'en remettre. Ah, 2 secondes, c'est 2 secondes. C'est la faute. Et quand t'as les 5 secondes. Et moi qui le colle au cul. Ils sont juste derrière moi. Faut que tous les boss tombent à peu près en même temps aussi. Pas bien. J'ai plus les buffs. Et il y aura une zone de feu qui va péter le pilier derrière nous et une zone qui va péter les trois piliers pour que les casters. Reprendre. Ah, je vais bientôt pouvoir reburst. Marque dans 2, écartez-vous. Marque dans 2. Non mais les trois. Pourquoi juste un? Marque maintenant. Péter les casters, histoire qu'ils se repackent sur le reste. Déjà fait. Oh putain, je peux pas le cut. Allez, gérez vos marques. Ça c'est où déjà?
peux prendre. Pardon, reprends, ouais, au pas. Allez, j'en vois tout, là, j'en vois tout. Ça va avoir le bizarre à gérer. Destacker dans 2. 1, destacker. Je suis un peu sur date A qui est un peu haute. Vous, Jerry Bonnard, qu'est-ce qu'elle est pas? Attention, il y a une marque au cac encore. Ouais, c'est le temps quoi. Ah, bah rip. Pas grave. Pas grave. Je me la mets juste pas sur un gueule, gros, je suis en dessous là. Vous voulez tuer vite, vite, vite. Je vais m'écarter, juste restez pas à côté de moi. Bien, nice. Mais bon, normalement... Ma platoon, t'es où là? Ah, hein, ah, il est bien ce bijou, non, pour toi, je crois. On m'a tué, donc forcément, Chino, facile. C'est Chino, je crois, qui est... que c'était bien. Je sais alors, plus. En Shaman LM, et il est bis. Après, je sais pas. En... Non, heal, c'est pas. De toute façon, en heal, t'as pas besoin de mana. Donc... Si, mais je l'ai déjà. Ah, d'ailleurs, comment ça s'est passé le heal du coup? Pas mal, les moches, putain, j'avais oublié cette émote. La gueule. Non, non, moi, c'est bien comme ça. Hein, c'est, Attends, mais j'ai pas je vu. Je vous ai entendu, vous voulez du défi. Qu'est-ce non, non, moi j'aime bien me faire chier, moi je peux pas m'ennuyer. Moi je veux m'ennuyer, je veux m'endormir, arrête. Il y avait Sika qui avait tout poulain, attention. Ah, je me disais aussi. Je sais pas, vous dessus, ouais. Bah, amusez-vous bien. Non, pas tout. Sinon, vous pouvez pas BL. Oh là 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 là. Ça fait chier. 80k DPS là. Ouais. Ça fait combien du coup le bijou? 7%, ah, c'est un peu léger. Hein. Ou sinon, il est sympa pas sur la terrasse, c'est une option, mais je vous connais. Je, vous pense, que... Si on fait ça, donc... je pense que je préférera. Je préférera. Je préférera avoir le bijou de Diorna. Ça ne veut rien dire cette phrase, désolé. Je pas la. Il m'a pas entendu, il mais manque un ça complément. Marche aussi pour moi. C'est ça, je... Ouais, mais en cac, c'est pas ouf. C'est pas terrible. De quoi? De le taper en cac. T'as trop de. Je suis désolé, j'écoutais pas, du coup je sais pas de quoi vous parlez. Mais y'a pas de temps, tu tapes pas le boss en fait. Et la tempête quand tu te fais aspirer. Ah tu un sprint et tu vois. Bah si tu peux le taper au début parce que c'est de plus en plus fort à l'absorbe. Et à la fin tu mets un sprint. C'est ça. Et tu strafes. Je sais pas si... pas le mobi pour tenir la tempête, y'a genre peut-être le palerette, je crois que c'est bien de le voir. Mais toi, t'as la marge de mort, nous ça en nous attire quand même. Le faire, en chamélio ils peuvent le faire, en rogue ils peuvent le faire, en monk pareil. Ça dure suffisamment de temps ou pas? Je le balance pas dès le début, comme ça tu covers aussi une frappe si t'es en temps. Mais sinon, oui, elle dure assez longtemps. Ok. Faut juste que je vois si moi le. Je pas dès le début pour pouvoir cover la frappe qui suit en temps. Je sais pas si la cape d'onde du coup va marcher là-dessus. Est-ce qu'elle va m'annuler la technique ou pas du tout? Non, mais de toute façon tu sprint. Oui, mais c'était justement KO. Hein. Ça suffise pas le sprint, je veux dire. Je vais tester du coup en amélioration ce que ça donne. On va effectuer des tests. Ah non, j'ai des loot derrière. Triste. En fait, j'ai pull en me disant j'ai le pur gaz, sauf que non, j'avais changé de talent. Du coup, je me suis laissé. Bah super hein. Ah, c'est triste, ouais. Comme quoi, faut jamais jouer pur gaz. Faut pas pêcher en multi plus. Ou faut être suffisamment bon pour pas avoir besoin du pur gaz, ce qui devrait être le cas si j'étais bon dans ma classe. Oh là là. Mais bon. T'imagines si on avait un tank correct là? Putain. Ah putain, on irait loin. J'ai Academy 16, j'ai pas envie de la faire. Hein. Nous on a des clés sympatoches, je crois. Hein. T'as eu quoi toi, Sika? Cos. Toi aussi? On est 3 cos là? Cos, c'est terrible. Putain. En même temps, elle sait, j'ai enculé donc ça devrait aller. J'ai toujours besoin de ma whetstone. Waouh. Wow. Moi je prends. Hein. J'avoue. Attends, mais je l'ai pas upgrade en plus, je crois que je pourrais même pas la filer. Oh, c'est de la merde en plus cette semaine, c'est trop chiant. Il est où le trou? Il y a que son gain qui est chiant, ouais, explosif, ça va, c'est pas vrai. Bah, ça dépend les packs quoi. Mais il y a un membre dans ton groupe qui peut les faire facilement, genre des six peut les faire, je pense. Sur les moments où il y a pas trop de dégâts sur le groupe, et vu que c'est pas fortifié, bon. Il y aura des moments où il pourra juste faire un truc grave dedans, et c'est fini. Pourquoi j'explique? Et... Ça a bugué, j'arrive pas à ouvrir RC. Il y a des comptes quand même. C'est vraiment une catastrophe. Sinon, je le ferai, mais c'est plus pratique. Qui veut le bijou là? Non, merci. Aïe, aïe, aïe. Personne n'a vu.
J'ai que 0,2% en plus avec ça, hein, au niveau dégâts. Moi j'ai pas de mana. Je l'ai déjà. Ça marche si t'as pas de mana, c'est au-dessus de 65% de rien non, du tu tout. Un curly, on et tu sais que ça fonctionne parce que, genre moi j'ai pas de mana, j'ai que du Maelstrom en LM et ça proc que la grande partie. Ouais, ça marche pour toutes les ressources. Mana, en fait. Oui. Et l'autre. Bah du coup. Non, c'est bon. En Amelio, pas en LM. Bah, c'est une barre de vite fait. Bah, même titre que l'Amelio, t'as une barre de mana que tu ne vois pas. Quand pour la main gauche. Moi, ce serait pour Transmo. Quand tu balances des dispels et tout, bah, il me semble. C'est quoi la maîtrise? Atun et Fallen, vous êtes là? Oui. Attends, gros, il fait les loots. Ok, roll pour la Transmo là, si jamais qui veulent. Vous êtes pas obligé de roll, hein! Intimidant! Après, est-ce qu'on veut faire un. Allez, je les ai vus, les trolls derrière! C'était ridicule. Maintenant, les autres, ils peuvent faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Marc dans 2. Oui, s'il faut être spread avec des marques comme sur le boss avant, il va vous grab vers lui, il faut passer ses grabs dans lui, il faut éviter des tornades. Quand il y a des adds qui pop, je les mets sur un bord, ou Nelo, et vous en attaquez qu'un seul, vous ne faites pas d'AOE, pitié s'il vous plaît. Ils ont vraiment deux points de vie, ne faites pas d'AOE dessus. Dans ma tête, je me dis merde, j'ai raté. J'ai balancé toute mon AOE au pool. Et en fait, il n'y a pas d'AOE. Voilà, c'est la stratégie. Attention, tornade. Les marques. Je t'ai vu essayer de je sais pas faire quoi là. T'esquiver en fait. Ouais, Allez, vous laissez pas attraper sinon vous volez en l'air. Marque dans deux. Cartez de vos poteaux. C'est tornade. Il va y avoir les ZAD. On peut reprendre le boss en vrai. Je prends tout des tours, il faut que tu sais le crâne si quelqu'un peut cut l'autre. N'allez pas sur l'AD si. Non ! Platoon. Platoon, il va tout droit. Attention au bump, tombez pas dans le vide, mettez-le au côté de l'AD. Merde. N'hésitez pas à charger. Marche. Oh là là. J'ai pas de lampe trop tôt. Et revenez faire deuxième AD et ça va faire la même chose. Ah oui, merci pour. C'est gentil ça. Ah, c'était gratos la marque là. Oh le coup de dash, je me suis bête. Bah non, oui. Quelqu'un me l'a filé, mais quelqu'un me l'a filé, ouf quoi. Sérieusement. Restez calme. C'est ouf. C'est quoi mon... La potion... C'est fait. Un vrai raider quoi. Avec une corail. Je vais mourir. On a tellement fait de la merde. Y'a des chances. On peut récupérer avant qu'il me tue. Ouais, c'est okay. J'ai plus de charge, je crois. Je vais mal calculer mon... Attention aux tornades. J'ai cru qu'on jouait avec un évoqueur, il me restait 2 secondes de CD sur mon sprint. Okay. Bad. J'avoue que c'est pratique. Allez, bah tu vois le 15% là, ça m'a foutu en l'air. Tu prends les ads, bro? Vas-y. Il y a un crâne, faut pousser le crâne. Marque dans 2, faites gaffe, n'y allez pas tout de suite, vous paquez pas. Tu sais, le crâne, où est les marques, faites gaffe, passez pas sur vos potes. Le bump, c'est pas non plus très très violent. La marque, B. Pousse-toi, je vais devoir me mettre par là. Voilà. Ouh, putain, le goût. Ah, bah, c'était juste. Attention, tornade avec. Dans marche dans deux, écartez-vous de vos poteaux. Il va y avoir le cyclone. Il est possible, un reste sur le heal, non? Ça arrive. Merci. Fais gaffe, si on met cyclone, courez. Si tu le
prends la fin du cyclone, ça va être chaud. Je suis mort, Platoon. Pas besoin de me répéter que je suis pas là en DPS. Je trouve que tu fais plus beaucoup de dégâts là. Ça assume pas quand c'est lui. Marque dans deux. C'est la faute de B en même temps, il m'a dash sur le dessus avec sa marque. Racote. Mais B il fait un petit peu comme avec son démo, n'importe quoi. Oh bah, je joue 4 fois mieux que vous, alors c'est comme ça. Ça me fait pas la même chose quand t'es démo et une autre classe. Mais j'ai rien fait là, what the fuck. Tu vas devoir gérer les odds de ce qu'on les fait. J'ai vu, hein. Ouais, Goli, je voulais. Marque dans deux, vous paquez pas tout de suite. Je cut l'autre. Je cut toute la merde. Prends-le dès que tu peux. En vrai, on aurait du full-boss. Voilà. Je vais bien à côté de là, on est un peu au milieu, ça risque d'être un peu chaud. Si seulement on avait une guide démo. Si B jouait une vraie classe, quoi. Attention tornade. Marque dans deux, vous paquez pas. Le deuxième mat va mourir. Rapprochez-vous de l'AD. Attention avec vos marques. Un ouragan. Attention aux marques. Oh putain, j'ai plus rien. Oh putain, Kriwar, Kriwar. Alors, je peux me TP derrière. Je suis trop loin. Oh, marque dans deux. Des patates là. Parce que j'ai volé dans les airs. Parce que j'arrive pas à m'habituer à ne pas avoir les 15% de réduction du Joker. C'est. Youhou. Je suis matrixé. Oh, Chino, t'es où? T'es où, Chino? Oh, le token. Dans ton cul. Ça part en P2 ici. Ça part en P2. C'est quoi ces coups de pistolet? C'est quoi là? Les mains? Ah non, les mains j'ai déjà. Merde, c'était les mains. La bite. Il a fait 100 en besoin le B là. Sur la cage. Et B. Bam. Ça c'est pour moi ça. Let's go. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quoi cette droite? Allez, let's go. C'est pas encore aujourd'hui que je vais me coucher. Allez, fonce, Nello, fonce. Chope-le là, vole le AB. Non, les mains, je. Je t'en veux pas. Je les ai déjà. Ah. Il me laissera le corps, c'est la tête, c'est pas grave. Avec ça, je prends pas la tête. Ouais, mais le reste en fait, c'est pour moi, du coup, tu vois. Ah, mais... aïe, aïe, ah, j'ai balle. C'est si seulement tu m'écoutais quand je parlais. J'ai trompe la mort. Non, pourquoi tu veux que je t'écoute? Yes, attribué AB. Parce que je t'ai prévenu que t'avais la pyro sur la gueule. Ah, le torse, tu le veux, Léo? Allez, vas-y. Oui. Torse, je veux bien. Je sais que tu me détestes, Alexandre. Ah, bah oui, mais ça, c'est normal. Je te laisse reprendre, je vais chercher mon loot. J'ai sauvé Myriel. Myriel, let's go. Ah, Myriel, j'ai dit en plus. Ah, d'accord. Excellent dessin animé, bien qu'un peu perturbant. Quoi? Myriel? Non, c'était Myriel. Ah. Myriel et les glaçons. Non, Muriel, l'encourage le chien pour ça. Tu me fais tes merdes ou quoi? Je vide mes sacs. Il se vide sur toi. Ça va, carrément. Quoi. Il se lâche. Alors, proc ou pas proc? Des trompes d'artisanat. Attention! Aucune idée de savoir comment c'est ce jeu. Chino dans la panade. Mais je comprends rien, ça brille de partout en plus. J'ai jamais vu autant de trucs qui brillent. C'est un ordre de priorité. Je veux pas l'ordre de priorité. Je le connais pas à cette extension. Et c'est dépendant des talents que tu joues. Ça s'appelle une classe quasiment GCD Love. Il est où le kebabier là? En tout cas, si tu la joues correctement. Si tu fais de la merde, t'as du downtime. Bah ouais, je peux faire de la merde parce que je crois que j'ai du downtime. Oh le souffle! Enfin, c'est que tu pourrais grappiller des trucs à gauche à droite et c'est que tu t'optimises pas bien tes CD. Et dire que cet AD fait moins mal que l'AD au bassin. Pourtant, ils sont tous les deux pareils. Dire que tous les chinois sont les mêmes, c'est ça que t'es en train de dire, non? Quoi? Il est pas chinois le dragon, qu'est-ce que tu dis? Le racisme. Je veux ça, bien là-dedans. Ça part vite quand même. Ça part très vite. Ouais, c'est. Je fais preuve d'un racisme honteux avec ça. Eh oui, envers les dragons là. Enfin, les proto-drek. Ah, donc tu veux dire que ce sont pas des dragons? C'est mourir, B, laissez le tanker.
Eh, je m'en vais. Ah non, l'étourdissement! Oh, l'étourdissement! Qui c'est qui était dans le groupe avec son étourdissement? Putain de sa mère, je suis mort. À ton avis, à ton avis. Donne un nom, juste comme ça. Première pensée. J'aurais dit B. Premier sentiment, quelque chose. Tu vas voir, t'es pas loin. Première impression. Ah, je suis dégoûté, je suis mort comme un caca là. Tu me marches dessus, je reste collé sous la semelle, c'est sûr. Je sais pas si c'était toi, mais. La blague était bien. Il est connecté, oh là, Sleven. Il s'enflamme le tank. Quoi? Il est là, Sleven. Ah ouais. Bon, enflamme-toi, je passe en impulse. Ouais, ouais. Toi, t'as failli me marcher dessus, Ebli. Fais-moi un petit raise. Mais je peux pas. Mais si, si, vas-y, appuie sur. Arrête de me marcher dessus. On peut pas. À côté. Ah, attends, j'ai un truc qui bump. Ah non. J'ai un batteur. Ah. Ouais. Ah. Parfait. Non, ça me va. Merci. Mais je comprends rien, ça me casse les couilles. Va falloir mettre un coup de mou. Un coup de plus là dans les zones, histoire que ça aille. Est-ce que j'ai perdu ma bouffe? Alors vraiment, genre, ça m'étonne que. Il doit pas parler de ça, gros. C'est vraiment. Je suis pas sûr que ce soit un talent, bro. Hein. Vraiment. Je le vois pas, bro. Enfin, je le cherche. Mais il est juste au-dessus des franchements du Maelstrom. C'est marqué en gros impact foudroyant. Pourquoi tu joues sans crash lightning? Mais j'ai pas. Moi, j'ai suivi ce qu'il m'a dit, Sleven. Non enfin, c'est peut-être un Red Full, c'est un build full mélange. Parce que oui, t'as donné moi, un build multi plus. Sur, les sur mon build d'un petit en raid. Hein, donc, Oui, en raid. Allez, on soak, on soak. Non, mais arrête. On soakera pas. Tu soakeras tout seul. Au cas où vous le saviez pas, théoriquement, c'est pas bien une raid vide. Hein. Théoriquement. C'est au cas où quelqu'un l'écoute. Que ses calls sont pas, il fait pas preuve d'une intégrité professionnelle très grande. Quoi. Je suis pas sûr qu'il y en ait déjà dans la vraie vie, alors en jeu. Il est pas très intégré. C'est bien ça le problème, tu vois. C'est que toute cette frustration de ne pas pouvoir un peu la lâcher de temps en temps dans la vraie vie, tu l'exultes en jeu, quoi. Je vois. Oh non, pas ce gros. Tous les jours, mon pauvre. Et bien plus que vous. Tous les jours, tu es frustré, du coup. Bien plus que tous les mecs qui sont dans la guilde, quoi. C'est ça, pire. Eh oui. Tous les jours, tu es frustré, du coup. C'est ça, une idée, quoi. Non, pas vraiment. Jamais, je pense. Ça va, tu le vis bien. Ça te dérange pas. Rarement, je suis. Rarement, y a pas beaucoup es. De personnes qui me font plaisir. Mais souvent tu parles, qui es-tu? Cite-nous des noms qui te font trigger, vas-y. Le mec il dénonce, c'est ça, une délation carrément, il y a plus de... Un nom, il avait raison, mais le deuxième j'ai pas entendu. Bah il a dit que B et Kadok. Ah donc bah voilà. Ah, j'ai pas eu le temps. Il y a eu un tout doux en même temps, du coup je me suis arrêté parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire défoncer. Je suis en train de me faire éclater le cul là. Bonjour Sleven, maître... Vas-y, attention à ce que tu dis, il peut te donner de bonnes ou des mauvaises informations, hein. Suivant comment tu vas l'appeler. Je disais pas ça tout à l'heure pourtant. J'ai rien compris, je suis en PLS là. Hein? Avant tu disais le maître kebabier. Waouh, ça y est, ça dénonce là, ça y est, c'est lancé. Je l'ai appelé en maître, eh, ça va, je l'ai appelé dans le canal. T'es un chamélie ou quoi? Oui, je suis en spé et j'essaye de taper avec mes mains. Ah, t'as pas les armes? Si j'ai les armes, mais elle est pas facile, hein. Mais si je comprends rien, en fait, ça brille de partout. Y a mais le pire, c'est que c'est même pas ce qui brille qui est intéressant. Et non. Ah ouais. Ce serait trop facile. Mais ouais. Alors ici, il y aura un cercle sur une personne, il faudra qu'on se pack tous dedans pour soak avec elle. Il y aura des gens qui auront un petit cercle pendant ce moment, ils vont faire pop des pics, il faut que les pics soient proches les uns des autres. Et les tanks vont avoir une ligne entre eux et le boss, et on va casser les pics, il faut pas rester dans cette ligne. Je les mettrai sur la gauche après la voie. Les pics, faut les mettre quelque part en particulier, genre à droite ou à gauche. Dans l'arrière. Paquet à l'arrière. On va sauter en général et. Enfin paquet. Pas les uns sur les autres, mais collés. Tu verras. Bon. Vous mettez pas l'opposé l'un de l'autre du cercle en question. Quand il y a le fameux cercle avec les pics, vous esquivez sur la gauche de préférence, et quand il y a le cercle sans les pics tout jaune, vous esquivez vers la droite pour faire pop les AOE après, et vous revenez vous paquet à gauche là où était la AOE. Il va vous chanter la danse, Sika. À gauche. À droite. Faites un entrechat. Mais... Ah mais tu joues en build éclair en fait. Oh.
Je vais le prendre au pool parce que je suis en builders. Enfin, j'ai pas prévu les gars. T'as un petit problème avec ton build, hein, je te dirai juste après. Ah bah tiens. Genre, est-ce qu'il lui manque un bouton, bro? Bah, je sais pas, moi j'ai suivi ce que tu m'as dit. Hein. Allez, les symboles rentrés dans le cercle, tout le monde dans le cercle. Vous faites une ligne comme ça, c'est bien là. Putain, je prends ça. Et vous décalez à gauche, vous suivez le carré. Restez pas dans le trait. Et là, ça fait des dégâts, donc si vous avez des trucs. Atoun, viens avec nous plutôt que rester tout seul là-bas. C'est le bon moment. Là, il va où? On va se décaler à droite pour dodge. Voilà. À droite. À droite du cercle. À droite, les amis. Et on revient à gauche. Et voilà, c'est le boss. Au revoir. Et je tente. Ça va être que ça tout le long. Il est trop tôt, gros. N'oublie pas que c'est deux sacs. Hein. Mais c'était pile quand il fallait. Voilà. Et là, il va y avoir un soc à nouveau. Rinse and repeat. Rincer pas, et répéter pour les noms. Restez dans la OE. Vous pouvez choper vous connaissez. Hit, sleep, rave, repeat. Non, non, restez. On est où là? On est là. on est là. Est-ce qu'il va à droite? Droite, la droite, côté soi. Il peut être un dernier pic à faire, gros. Ah, il y a des AOE à gauche, du coup. Pardon, désolé. Repackez-vous. Ça change le temps. Allez, on se repack le petit droïde là. Il n'y a pas de zone qui fait tout seul. Je sais. Mais c'est l'habitude. C'est les l'habitude. Gens pour leur futur, c'est bon. Et on sort de là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, tout le monde. Et on reprend la même activité. T'as deux stats là? Non, j'ai zéro stat. Reculez-vous avec les piliers. Dans la haut. C'est une personne. Hein? Packez-vous, c'est des deaths lead. Allez, faut envoyer là. Même ça fait mal. On aide les heals. On a encore tous nos CD en ville. Est-ce qu'il veut à droite si vous pouvez? À droite, ouais. Merde. Auras-tu ton Spiritling, Shagola? Shagolara. Elle l'a déjà. Venez ouais. Un petit peu à droite là. Venez un petit peu à droite. Elle ou pas? Elle me dit qu'elle je lag. Au non, fond vous avez de pas la envie. Zone. Bon, c'est pas grave. Au fond de la zone. Ah mais pourquoi il recule à chaque fois? Tant que c'est aligné. Ouais. Allez, envoyez tout ce que vous avez là. Droite. Il y aura un moment de creux, de toute façon. De calme. Pensez à être bien dans les zones de heal si vous pouvez pour les aider. On peut revenir un petit peu, hein, mais pas, bah quoi que non. On va faire un quart de cercle là. Ça suffit. On décale. Je suis mon petit CDF 10 000 là. Je pourrais AMZ les heals. Ah, dommage. À droite. Ouais. Ah bah, Chino a trouvé ses touches. Non, j'ai rien compris. J'ai pris heures. Bah ouais, continue non, comme ça, ça marche très bien. Hein. C'est vraiment une honte, hein. je ne sais pas. Vous sortez du cercle pour ça. Sauf qui brille. Taquez-vous, je vais MZ. Taquez les CD. Regardez, je te dirai, c'est quoi les problèmes. Tout, je pense. Moi, ce speedfact, c'est plus complexe que ça en a l'air. Le mec, il est tellement pédant quand il parle de sa spé. Plus complexe que ça. C'est délicat. Calez-vous un peu sur le crâne, histoire d'être sûr qu'il fasse son annihilation dans cette zone. Si t'as une petite ruée dès qu'il pose sa zone, ce serait parfait. Ouais. Attends, j'ai un CSA. Let's go. Ah oui, bien joué de la main. Ça. J'ai trouvé ce bouton. Il était dans mes barres, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure et du coup je me suis dit, ça a l'air d'être intéressant.
En LM, je l'utilise souvent, donc je me suis dit. On va pas les soquer si. Je vais se poser des questions vraiment. Ouais, je les défense pas. Oh non, non. Je vais pas me faire chier à assassiner deux gens juste pour vous. Il est où chez nous là. Tu me passes comme ça devant là. Ah là là. C'est vraiment mignon, c'est ils qui font 40k qui sont à doigt. Ah, putain, ça envoie trop ma SPDPS quoi. On a jamais dit ça, on a pas dit ça. Tu te vends chino, ma fille. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme moi quand j'ai touché ma première paye, tu vois, où j'en vois tout cet argent. Tout ça, c'est pour moi. Allez, let's go. Donc moi, je suis un peu mou du gland en mono. Chino, concrètement, pour te faire un petit résumé, juste pour que tu améliores un peu ton DPS, n'utilise pas ton Maelstrom s'il est pas à 10. D'accord, parce que là tu l'as utilisé 800 fois alors que t'en avais à peine 5. En fait, toi tu l'utilises dès que ça brille. C'est ça. Mais il faut pas. D'accord. Tu n'utilises pas ton Maelstrom tant que tu n'es pas à 10. Il a compris, il a tout vu. Une fois que t'as utilisé ton Maelstrom, si ton averse de ton ta frappe de glace est up, tu utilises ta frappe de glace et juste après ton Orion de Givre. Et si ta frappe de glace n'est pas up, tu utilises ton Orion de Givre. En gros, à chaque fois que tu dépenses ta Maelstrom, il faut que tu utilises ton Orion de Givre. En fait, ton Orion de Givre est augmenté en fonction des Maelstrom que tu dépenses. Il m'a démonté la gueule. D'accord, mais comment on utilise pour dépenser? Bah, éclair, ou Elemental Blast, ou chaîne d'éclair, Éclair, chaîne d'éclair et explosion élémentaire. T'as 3 spenders. C'est les 3 sorts qui te dépensent ton Maelstrom. Et tout le reste te le recharge. Bah c'est tes petites, tu vois tes petites barres au-dessus de ta, voilà ça là, juste en dessous. Ah d'accord, là, ok. Le problème c'est que si t'as pas de Wikora, le jeu il s'arrête à l'affichage de 5 parce qu'il reste une extension en arrière sur l'affichage graphique, c'est très moche. Ah ouais d'accord, attends. Hop, ok, il y a un Wikora. Tu charges au maximum, d'ailleurs. Ça monte plus. Merci mesdames les îles, j'ai eu très peur. Non, après ça monte et, et parfois ça snag, ça remonte, tu vois, c'est pas... T'as pas Wikora pour ça justement ou Bah le truc, moi je peux utiliser le Wikora juste de la barre de Maelstrom. Tu 5 buff 6 oh. Ok. Ça m'a tellement tué. En vrai, le Chameyo ça me fait mourir de rire parce que quand même on est sur une des itérations les plus agréables à jouer et littéralement ils sont inspirés d'un bug à l'ASL quoi, pour le créer. Alors, bah super. C'est un bug, genre littéralement le 10 stack là, c'était un bug de Shadowlands pendant la bêta. Où on pouvait dépenser les 10 stacks et on leur a dit mais c'est normal ça, ils nous trouvaient non pas du tout. Ouais, et après on s'est dit mais en fait vous pouvez le laisser, vous savez c'est bien, ils ont fait non. Et là dans cette extension j'ai vu le talent, j'ai fait ah bon, ils ont mis. Oui je trouve ça cool là, en vrai. Du coup, t'as juste c'est, très bien. C'est juste ça, ok d'accord. Voilà. En gros, oui après il y a l'optimisation des CD, des stacks de Maelstrom, l'ordre de prio. Hein, de... Et tu m'as dit qu'il y a un sort qui était pas bon dans la barre. Remets ton arbre de talent. Il a la première. Il a la première bordel. Oh, wow, il y a bien la vague dans ses. Bah. La question est simple. Est-ce que tu la poses ton totem Fury ou une Fury? Oui. Tu poses H24 enfin, oui. Enfin, j'essaye. Merde, j'ai pas fait les groupes, j'ai oublié. Parce que... Au pire des cas, tu peux prendre un autre talent qui fait que tu charges plus vite ta Maelstrom. Mais pour apprendre, je pense que ce sera plus simple. Bah, ouais, mais moi, c'est... non. Okay. Je vais prendre la difficile. Ok, bah, je vais avec le Win Fury. Il va prendre à la dure. On va prendre un truc. Tu joues le 5 sur le 5. Y'a pas du tout d'AWE par contre. Bah en fait, tous tes sorts sont à E. Ah. C'est faux. En fait, c'est que ton mono est obligatoirement AOE. C'est à dire que quand tu mets un. Bon là, t'as pas le sort impact foudroyant. Bah non, oui, du coup, non, tous ces sorts ne sont pas AOE, monsieur. Oui, voilà, c'est un mensonge, monsieur. Il lance plus mono, ce qui est normal. Du coup, il n'a pas le funneling mono en clivant sur les zones. Ouais. En gros, là, sur bah, vu que t'es en mono, t'as pas spécialement de sort à eux, à part le fait que t'es acheté. Ah merde, il reste une. Ton Orion de Givre. Ton Orion de Givre, à partir du moment où tu te déposes de la Maelstrom, t'as un truc qui s'appelle Averse de Grêle, c'est un passif. Et ce passif fait que ton Orion de Givre, il sera amélioré de 100%, même de 150%, un truc comme ça, et il touchera 5 cibles. Il y avait ça sur DK aussi, Averse de Grêle. Non, ouais. Mais c'est Givre. Selon un grand DK du Blue Demon, Maître Blue Demon. Non, ok, d'accord. Regarde, attends, moi je vais te passer ma barre de Maelstrom si tu veux, je te la link. Je vous interromps une minute sur le chameau pour faire un rappel vite fait du boss.
On tape Jade. Il y en aura un à chaque plateforme. Régulièrement, le boss va monter dans les escaliers. À 5%, on montera tout en haut. J'essaierai de vous call pour qu'on court si on la tombe trop vite. Mais on va voir, ça va dépendre de nos DPS. En tant que toi, tu sais, on a plus ah, mes buffs, ils sautent, ils font. Et à un moment, elle va vous grab. Les timers en dessous des buffs là. De la salle ou devant des zones, on le voit sur le stream. La toile collante, donc ça ouais, vous on le voit. Vous faire grab. Mais on dirait du Minecraft. Vous pouvez aller au fond et vous courez contre les faits qui vous attirent vers le bas. À côté de ça, il y a des zones à éviter. Ah, c'est bon, non, qui vous courent dessus, mais qui font pas grand chose qui explose comme les trash là. C'est une course au merdeau. Si on arrive en P3, je suis même pas sûr qu'on la verra, mais il faudra mettre des AOE sur le bord. Je vous le rappelle. Je te laisse les ZAD. Ouais. Tu le reçois pas, juste essaye de le grossir ton maestrum, ta maestrum barre. Okay. T'as compris, il faut que tu grossisses. Affichage. Les ZAD, mais c'est pas le boss, c'est les ZAD. Non, non. Tourne-toi vers la gauche. Non. B, je vais te fouetter. J'ai avec un chalumeau. Bon. Vas-y, décompte. Ah non, chez nous. T'auras pas le jeu. Je voudrais juste l'agrandir ma barre, je sais pas. Tu vas découvrir toute la frustration de tank où on te dit on va pas vite et dans l'autre bas, je ne peux pas aller plus vite. Essaye dans. Ouais, c'est ça, c'est largeur. Largeur. Oh, y'a un festin ? Trop bien. Oui. Merci. Non, tu l'as mis à zéro là. Tu l'as fait disparaître. Ouais, tu vois, non, mets 50, un truc comme ça. Ça devrait être ok, 50. Ouais, c'est là où ça hein. Manque le buff qui voilà. Fait que le buff bouffe reste. Tu mets 20, je pense, un truc comme ça devrait être bon. J'arrive dans 10 secondes. Voilà, là tu le verras. Juste 10 secondes, c'est bon ? Vraiment 10 secondes ? Genre je fais un slash pool 20 ? Parce que moi je le fais. Hein. On va pas le prendre de manière littérale. Non, attends un peu, au cas où. Hein ? Dans le doute. T'as vu Cora, ça active que t'es en combat ? Ouais. Ok, ok. Le casque il est trop stylé sur un guerrier. Oh, c'est une boule ronde. Je vais prendre un petit raid HM avec mon route moi. Ouais, on sait. Tu veux pas venir nous carry le cul en NM hein. Bah moi je peux venir avec vous si vous voulez hein, j'ai aucun problème hein. C'est toi hein. Mais c'est un route heal, vous avez déjà cette heal. Ah. Non mais tu peux venir si tu veux hein. C'est pas grave hein. T'as envie de partir ou quoi? On l'ennuie déjà. Elle veut du soutien, elle a envie de s'endormir. Ah, non, je sais qu'après ça va devenir beaucoup plus compliqué à healer et je suis pas sûr de pouvoir healer. Après. Oh. Non, mais là, t'inquiète, hein, on a quand même 5 kills dans le raid, ça devrait aller. Je te jure, ils sont tous en off-spé là, tu te rends même pas compte. Ouais, je sais. Je pense que t'as compris qu'on était en train d'essayer. Il y a le grave dans 3 secondes. Et comment on fait là du coup? Il a vraiment dit ça. Comment réagir? Par contre, ça grimpe pas autant quand t'es au cac. Quoi, tu rigoles? C'est si plutôt normal. Tu peux le reprendre, pardon. Le mec cherche des théories pour dire que distance est plus compliqué que cac. Mais non, mais on est. J'ai été. Ouais, non. J'arrive. Parce que je crois que c'est pas le cas. Non, mais ok. Ce serait très très étrange. Quoi. J'ai jamais été distance en vrai. Mais... En vrai, j'aimerais bien que ce soit le cas. Il y a un grave d'ailleurs qui arrive. Il y aura le gros A dans une vingtaine de secondes. Si vous avez les scellés, vous pouvez les garder pour le dégommer. Ah oui, la BL, c'était censé. Ah, merci, merci pour la BL. J'ai oublié de vérifier que vous la traitiez. Dommage. MDR. Je vais prendre le gros, tu pourras prendre le boss. Ok. Vas-y, lui prendre le boss. Je prends toute la à distance. Je peux les prier là. Du coup, on va pop, on le dégomme. D'avoir sur mon écran. Prochain gros ad dans 1 minute 30. On va essayer de. Si vous restez trop longtemps dans les toits, ça vous stun aussi. Mais je doute que vous baignez assez. Attention au grab. Distack. Oui. Le grab là, vous pouvez hop aller dans la flaque qui est juste là, qui vient de disparaître. Et oui, parce qu'on a le dernier meurt dans les flaques, elles les font de dépop. Vous pouvez aller dans les flaques qui viennent de dépop d'ailleurs. Il y a apparemment un impact, mais parfois. Oh tiens, Eldar, regarde. Hop, hop.
T'auras sur ton trajet là. Ok, touche toi. T'as ça, ouais, tu... Avec plaisir, hein. C'est pour pas que tu te fasses grappe. J'ai le DBM qui hurle. J'ai mal à mon DBM. Il y a le grab qui va arriver, attention. Casse-toi, B. Allez, dans ta race. J'ai eu un peu peur, c'est pas vrai. Je fais une ligne pour vous. Très bon. C'est vraiment génial. Le gros ad va pop. Dégommer lui de cul. Après, ok, je prends boss. Attendre des sacs quand même. Bon, en soi, je peux tenir les deux. Ouais, fais gaffe, tu vas prendre cher du coup. Tu penses que tu tiens, genre 9 sacs, t'as décédé ? Moi, je peux. Je vais te laisser un peu de temps dessus. Okay. T'es à combien de sacs là ? Oh, t'inquiète. 6. Mais non, j'ai des potions. Hop, le grab qui arrive en 5 secondes, les amis, attention. Le grab. Est-ce que les poteaux ça cache ? Oui, des fois tu glisses un peu contre. Mais ça dépend, est-ce que c'est des bons poteaux ? Okay. J'essaie de grader toujours un minimum. Super. J'attaque les ads pour pas reprendre un gros sur le boss. Ok, tu as B qui s'en charge. Je suis en spé, je suis en mono donc de toute façon. Ouais, je suis en mono. Ah ouais. Tu vas avoir en mono. 90% de dégâts sur les petites araignées. Attention, il y a le grab. Merde. Allez, on se console, on se console. On est déjà tout en haut. Oh, je suis tombé. Voilà. Bah, t'inquiète. On est déjà tout en haut, oui, voilà, mais pas voilà, toi. Voilà. Mais je suis rivé sur mes barres et c'est un enfer. Hein. Je suis tombé Sika. J'ai entendu. J'arrive. Il est tombé Sika. J'ai réagi, je m'appelle. Ouais, c'est vraiment. Ici, quand ouais, vous avez les petites zones de gif, vous vous mettez sur les côtés. Vous laissez un coup. Oh, j'ai fait un drift à la Fast and Furious là sur le bord. Ça me fait plaisir, bro. Je suis passé aux avoueurs. Ah, et vous paquez pas, sinon vous êtes mort d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Je sais même pas comment je suis pas tombé. Je peux reprendre le boss là. J'arrive. Bon, c'est pas grave. Et là, ça aurait été le bump qu'elle était en train de faire. Il y a l'IP qui passe devant la fin là. Allez. Ah, B. Pip pip. Ah, bah voilà. Ça, c'est quoi ? C'est des jambes, ça. Le pip pip là. Je vous ai pas pop pop. Tu le prends pour comment il s'appelle, Pingu là ou... Pingu. Je joue avec le cul, je ne fais pas de dégâts, c'était mieux. Difficile pour appuyer sur les touches, c'est non de la vie. Franchement, pas opti. Hein. J'achète du verre. Niveau velocitude là. Allez, moi, c'est la même chose. C'est quoi, c'est les jambes C'est les jambes. Ouais. Vous voulez que je vienne en DPS pour assist en heal en quoi? Bah viens. Tu viens en ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. C'est McDo ici, vas-y. Venez comme vous êtes, littéralement. Tu veux tanker, bro? Tu peux tanker. Hein. C'est McDo la strike. Qu'est-ce que... C'est McTry. C'est McTry. Mac la strike. Non, y'a pas de TP, y'a pas de TP, y'a pas de démo. Ah, B, t'as quitté? Non, pourquoi? Ouais, il a quitté. Ouais, c'est un... il rage quitte. C'est un NEB. Tu reprends pas de lui en même temps. Alors tu m'as dit 5, 10, on va laisser le couler. Ça, il y a un totem à mettre aussi. Pourquoi tu utilises souvent ton. Non. Ton totem de mana pas de mana, de. Ton totem de heal là. Mon totem de heal, le totem guérisseur. Oui. Ouais. Je les emmerde et ils vont qu'à se démerder. Ah. Ah, c'est bien. Ah, bon, du coup, c'est la bonne philosophie. Moi, j'aime bien ça. C'est plein de coups de passe, les vœux. Pourquoi tu utilises ce talent-là alors? Lequel? Bah, le talent qui demande d'avoir. Là, c'est juste pour accéder au talent d'en dessous. Non, le soutien ancestral, j'utilise H24. Le soutien ancestral, j'utilise quasiment on CD. Mais le totem guérisseur, ça va. Vu la merde que ça heal, je vais pas perdre un GC défenseur. Frérot, des fois, t'as littéralement du downtime, tu pourrais balancer un petit totem guérisseur. Eh, frérot.
ça utilise un GCD, t'as pas le temps de perdre un GCD en chamélio. C'est faux. Il y a de rares moments, rares, ça arrive, où tu ne fais rien alors que tu pourrais supporter. Tu t'es encore fait éclater sur les traces. De toute façon, tu sais pas ce que tu fais et sur quelle touche tu dois cliquer, techniquement on peut pas... Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, non, c'est pas les chinois. Oui, c'est. Un chaman peut en cacher un autre. Il sait, mais c'est un artiste incompris, c'est en mode non, il va Ah merde, c'est pas le bon, ouais. Oh, les chamans, c'est tous les mêmes, vas-y, dis-le. Vas-y, mais invite-moi, là. Ça veut dire qu'on va avoir 3 chamélieux dans le même raid. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'alignement des astres? Tu peux pas me whisper. Non, je suis pas en... Je suis dans des amis. J'arrive pas à rejoindre. Mais moi, t'es pas mon ami, désolé. Wow. Je vois pas la malice d'amis, c'est complètement bugué. Ah ouais, c'est pour ça que je peux pas te rejoindre. Donne ton pseudo. Et Platou, t'es trop dur. Attends, je vais te oui. C'est moi qui est mort. Il m'a pas eu. Non, moi, c'est mort. Nélo. Nélo. Arrête de me piétiner! Non, mais tu ramasses tes loot sur moi! Sur mon cadavre, tu viens de ramasser tes loot là! Oui? Attends, je te reste quand même parce que je vois qu'il y en a. Merci! Ouais! Mais attends, mais. On arrive à NB personne, les gars! Et ton explode là, ta vague de mandat, tu utilises quoi? T'arrives pas à t'aider? Du coup, B. B. Si jamais il y avait d'autres besoins comme ça en spé principal pour le Forge Pierre, il y avait personne? Ok, quoi, j'allais juste te dire que j'avais un 411 et que je pouvais l'utiliser la semaine prochaine pour changer, tu vois. Si c'est quelqu'un d'autre avait là. Bah, c'est toi. Ah, bah t'es avec ton nom. Écrit slash W cicatrice tiré Ijal, du coup, peut-être. Ah, ouais, peut-être. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Et on va voir si ça marche. Mais peut-être que c'est bon. Ça marche pas. Ouais, bing. Ah, il se bat. Les gants en plaque là. Bon, 84 d'agis, c'est un peu chier. Mais... Pour venir par contre, on peut mis... Non, je suis. Donc, du coup, t'as mis besoin pour le skin, ça. Je me suis un peu trompé. Qui ça? Je les ai. J'ai les gants du 7, moi. Non, pas entrée de gauche, de droite, je sais plus, putain. Là, où... Ah, c'est bon, de droite. On les semble, d'accord. Donc, cours. Oh, Platoon, tu vas faire ton boulot de RL. Tu vas être le symbole pour FM. Ça marche. On est que 2, on est que 3 au cac. Ouais, un bonheur. Ça change pas grand chose. On va pas courir comme des singes. Bah non, c'est les 3 personnes qui savent pas courir comme des singes. Chaudron de pouc. Attends, j'ai perdu Myrgal. On va récupérer 75% de mana en 25 secondes. C'est long. C'est très très long. Papa, I'm loving it. Pardon. Et ta vague primo, tu l'utilises quand? Dès qu'elle est up. En fait, ta vague primordiale. Je génère 10 stacks de Maelstrom. Déjà, tu l'as. Eh, cicatrice, déjà, tu l'as. Attends, cicatrice, tu la fermes, c'est moi, Chamélio. Tu vas calmer fort. Il faut gros... spray ton putain de lava choc sur des mobs, comme ça fait plus de hâte. Ta vague primordiale, tu l'utilises un CD. Si jamais il y a d'autres mobs à côté, tu fais vague primordiale, fouet de lave, et après éclair. D'accord? Mais sinon, c'est vague primordiale et éclair. Parce que dès que tu utilises un éclair après ta vague primordiale, ouais, tu lances un éclair sur toutes les cibles affectées par ton orient de flamme. Orion, pardon, j'aime plus le français, c'est terrible. Pour Rogue, en P1, les distances vous serez plaqué sur Platoon, il y a des flaques hippocons, vous décalez à chaque fois qu'à pop. À un moment, il va claquer un truc qui met des zones sous vos pieds. Vous n'avez pas besoin de courir vite, sortez au fur et à mesure des zones. Évidemment, ne prenez pas les zones, ne prenez quand même pas ce risque, ça ne sert à rien. Ah, mais je suis remords. En phase vivre, allez, on il y a 2 cercles. On n'en pas craint un en mêlée, je mettrai une AMZ parce qu'on n'est pas nombreux et il y en a un qui restera à distance. En face terre, il n'y a rien, il faut esquiver les cercles. Et en face foudre, il faut aller dans des ronds pour les socs. Si on est en NM, je crois que c'est ça. Il y aura des ZAD, vous verrez, il n'y a rien à branler dessus, vous leur tapez sur la gueule. Il y aura une transition après les 2 premiers pylônes. Donc on va faire feu, givre, transition, on tape un nat de givre. Terre, foudre, transition, on tape un nat de terre. Le deuxième nat, après on le finit. Il y en aura 2 pour un transit. Et phase 3, on retourne sur la phase de feu et on achève le boss. Et il y aura juste des dégâts de zone en plus, des mécaniques, je crois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en NM. Y a-t-il des questions ou des interrogations sur la vie? Je peux répondre. Le gloussement voulait dire non, j'imagine. Je vais répondre à toutes les interrogations. Je ne garantis pas la qualité de la réponse. Alors, l'appel en même temps que le DBM, c'est pas mal ça. C'est très agressif. On sent pas du tout. Faites gaffe au cliff tank aussi. N'oubliez pas la détente sur B. Je vais se placer. Tous les casters sur le losange.
Mais hello pool. On est bien paqué parce qu'il faut qu'on se déplace tous en même temps. Pourquoi tu m'as... Waouh, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. C'est, ça m'a brain. Ça m'a clairement brain. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a été mon préféré. Non, mais... J'étais même pas là au pool, bro. C'est pas grave. Ah, je l'ai cassé très vite, mais Blood Drinker quand même. Je pense que c'est... Je sais qu'il y a la BM, mais... Et ben, j'ai tout raté, moi. Pas mettre tes pieds dans l'eau, hein. Mais il aime pas ça, Iron. Un nombre limité de cibles? Non. Essayez d'être bien paqué là, c'est un peu spread, vous allez courir plus que prévu. On fait la danse. Attends, t'es pas au bon endroit, attention. Sortez au fur et à mesure des zones. C'est pas grave si vous perdez du dégât. La seule personne qui a une impact en position, c'est le tank. Les autres, vous en foutez tant que vous êtes J'ai été le pire à mettre là. J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi je joue si mal là? Les prochaines pools. J'étais pas dedans au début du pool, ça m'a brain et depuis je fais plus rien. Quel enfer. Je collerai éventuellement un pseudo. C'est la personne qui viendra en mêlée si jamais les deux sont à distance. Ce n'est pas forcé, mais restez attentif. Et les deux cercles ne doivent pas être l'un dans l'autre. Si je vous appelle. J'essaie de me reconcentrer. Mais les distances, vous restez paquet. Hein. Ah, sauf qu'avec votre pote, vous devez pas le laisser crever, j'ai vu des choses. J'ai accouru. C'est un assassin qui est crevé, moi, justement. Oui, il y a eu une panique, les gens ont pensé qu'il fallait qu'il s'écarte. Ouais, c'est ça. Sauf qu'avec la personne... mais je crois qu'on était que deux en fait. Sur... Oui. C'est pas grave. Moi, j'ai pris chien. Il y a pas d'esquive à faire, ah merde. Il y a les boules un peu plus tard, je pense, pas tout de suite, non? Non, il y a pas d'esquive tout court. Il y a pas du tout? Non, mais j'ai révisé mon NM. Normalement, je me suis pas trompé sur les mécaniques. Hein, mais... Ok. On focus la glace. On le détruit. On vient de me retrouver. À un moment, on devra se paquer sous l'âtre de glace. Je vous le collerai. Et surveillez juste quand il y a les zones de feu qui pop quand on est paqué. Extrêmement mal. C'est horrible. C'est dommage, c'est un bon fight. Attaquez-vous sur l'âtre de glace. Surveillez vos pieds. Souriez, vous êtes filmé. Ah, faut que je me mette vite. Et il s'arrête de poser des avoués en même que Black. Tu fermes un peu. Il faudrait des. T'as des effets comme ça sur les chamans, c'est stylé. Pas des petits zats normalement. Ah non, ça va. Si tu veux des effets stylés où tu vois plus de jeu, tu peux aller jouer les F14. Bon, tu les désactives. Tu les désactives. Bien, mais putain, que c'est le bordel des fois. Mais désactive-les dans les options, désactive-les dans FF14. Ouais, bro, pas de soucis. Mais tu peux désactiver ceux de tes potes ou tu les réduis à la limite. T'as le choix. Tu m'écoutes pas, Alexandre. Ouais. C'était un peu lent, du coup il s'est mis à wall group. Donc j'ai les cercles. Découvre ma vie de cac. Je suis aussi exigeant qu'en distance, sur les 20 secondes de time. Mais non, mais je suis déjà éclaté, gros. Qu'est-ce que tu veux que j'aille. Et je vais récupérer. Y'a pas moins d'A dans NM, on est d'accord. Hein. C'est qu'on est pas nombreux donc il y aura pas beaucoup d'âmes. Alors paquez-vous tous au cac quand il y a ça. Si, il y en aura moins, mais pas du fait qu'on se. Ah bien. Putain, ça pardonne pas ça. Merde. Alors, ça dépend si ça décédé ou quoi. Ah, paquez-vous au cac, au cac, vite. Il y a vraiment un ad. Waouh. Oh non. Waouh. Vas-y, je suis prêt à foutre des pièces. Bouge pas, deux secondes, bouge pas, ta mère, bouge pas. J'ai pas trop de choix de bouger, bon, bon ok, mais non, c'est pas pour toi, hein, parce que là, c'est non, pas cool pour les îles, gros. De toute façon, j'étais plus à portée. C'est vraiment un trinket de merde, ensuite, d'ATR. Oui, je le déteste, hein, vraiment, je le déteste. Hein. On est en phase de foudre. Faites attention, il n'y a pas d'animation devant le boss quand il me cleave, mais il y a bien un cleave. Ok, je taunt. Je vais mater pour voir s'il n'y a pas un tout petit truc. Il y a une boule devant lui. Ça, là. Avec.
c'est ça, c'était l'explosion là. Ça, faut aller dedans pour se. Il y en a quand même un. Je sais pas si on y arrive. Est-ce qu'on va être assez nombreux pour y résister? Il est où celui de terre? Il est tout au fond celui de terre. Spread dans 4. On va prendre des bombes. Voilà. Allez, placez les bombes loin de nous. Et fumez celui de terre. Chagobella, tu dois t'écarter. Écartez-vous. Chagobella, va-t'en. Tous de l'LM. Enfin, c'est 8 mètres, sachez-le. C'est un rayon de 8 mètres autour de vous. Et c'est la personne qui est sous le mob une fois qu'il vient de se TP qui le prend. Faut viser plus à terre en voyant la foudre. Ouais, moins je vais foncer le terre. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas du temps à se paquer. Heureusement, il n'y a pas l'autre bout de l'univers. J'avoue. T'as go raison ton point. Tiens-toi. Écartez-vous, vous pouvez les superposer. C'est-à-dire les poser super bien. Tu voyages sur Sleven, c'est quoi ça? Écarte-toi juste de l'LM et tu peux taper la terre en attendant. Non, c'est quand il s'est pris sur toi, ça. Je mets un peu. On repart en feu? On repartira en feu, oui. On se mettra un peu contre le mur vu que ça n'a pas été très propre les zones malheureusement. On peut passer dans le petit couloir. Ouais, je vais prendre. 26% ça va être chaud, on va peut-être devoir prendre une. Je prends, oui. On n'est pas super ouf en manalei là. Grave. Je vois ça. On est entre la survie et l'envie quoi, tu vois donc. L'envie d'aimer. Paquez-vous ouais, les on partira un jour sans retour. Au moins paquez-vous s'il vous plaît. Ouais, paquez-vous les. Fais gaffe, faut pas que tu t'isoles. Mets-toi avec eux, on va là. Hein. Mets-toi là où ils sont et commencez à revenir vers les mêlées parce qu'on va devoir passer en vie. Sinon on va voir. Okay. Prochain cliff tank, je les placerai de base dans la zone givre. Préparez-vous les casseurs. Claquez vos CD perso, claquez vos bonbons. Et je cours très vite parce que là il fait trop mal. Et on va même peut-être devoir passer en terre, mais il y a beaucoup de stacks de terre en vrai, ça me fait chier. On reste comme ça, c'est bien. Soyez bien paquet en distance par contre. Par contre pour le clip, je me décale. Il était pas avec Platon surtout. Voilà, la reprise donc. C'est un peu oh, chaud. Oh là, déjà galère. Un stack. On va devoir swapper en terre encore une fois. Commencez à avancer autant que vous pouvez. Dès le prochain cliff tank, pareil, on swap. Ça passera pas sur. J'ai tellement crevé. J'ai eu. Claquez tout ce que vous avez, je le fais swapper. Là, on va y avoir un dernier tick. Oh non, c'est bon, j'ai cancel le tick. Faites gaffe au cerf. D'autres, j'ai vraiment un, hein, parce que les hits sont en PLS donc. Le BR, ça va te redonner 20%. Quoi voilà. D'accord, c'est intéressant. Je savais pas qu'ils faisaient ça, je découvre avec vous. On dodge, on dodge. On d'accord. Il a combiné les trois. C'est l'enrage ça, non? Il est vénère là. C'est l'enrage. C'est l'enrage, hein. Il a tous les stacks là. Voilà. C'était un tour, il est énervé. Ouais, il a combiné les trois éléments. À un moment donné, ça va quoi. On a peut-être été un peu lent. Je vais passer LM. Un peu lent, ouais. Je vais passer LM. Je vais pas mourir aussi. Après, mourir, c'est mauvais pour la santé. Avoir un joueur de moins pendant toute fight, éventuellement, ça n'a pas aidé. Des options pour faire plus de dégâts. Ouais, B, tu vas reprendre ton perso. Non, mais. Je vous laisse me raise, oubliez pas que vous pouvez passer parce que être sous platoon au DPS, c'est pas acceptable, les gars. Ah, j'avoue. Sachant que, bon, normalement, la P3 elle dure pas, il est censé être très bas en vie. C'est qu'on est vraiment. Ça augmente quoi exactement que... T'as combien de level platoon du coup? On peut augmenter les dégâts de votre prochaine attaque pernicieuse ou embuscade. Ouais, ok. Ah bah, je suis 380 quoi. Bon, mais en soi, aussi, en rage entre guillemets. T'es rare hein. Aussi le truc difficile. Ok. Je vais passer LM pour celui-là. Du coup, les embuscades. C'est un TDC dans le raid. Dans le sens que d'habitude, on ne voit jamais parce qu'il n'y a pas le temps de gagner toute son énergie. Pourquoi vous allez tout droit, toi? Je pense que j'aurais dû passer côté foudre. J'aurais dû faire feu, foutre terre.
plutôt que feu gif terre. C'est quoi qui peut pas crit? Déluge de lame. Ah bah oui. C'est un pourcentage bon, après, de dégâts de sort, forcément. Moi, je vais vraiment prendre le strike un jour à 15%, c'est pas dégueu. Ça explique aussi la complexité. Poison instantané 3. Ah ouais, 15k, je suis mort à 4 minutes. Ah oui, mais ben, c'est, oui, c'était pas une liste de 2, c'était une liste de 1. Moi, je crois que t'es en M, je suis dans merde. La même blague encore et encore. Attends, mon gars. Attends, tu vas te faire pendre. Il était gentil. Juno, là, montre-moi. J'attends que ouais, ça. Ouais, t'inquiète, j'arrive. J'ai son SP nul, mais au moins je la maîtrise celle-là. Par contre, paquez-vous les casters. Ouais, essayez de faire plus propre pour la P1. Hein. Ah ouais, elle est pas nulle, hein, l'aspect LM, frérot. Elle est même très bien, mais. Non. C'est juste qu'elle est. Non, mais avec Juno, l'aspect LM, c'est toujours de la merde. L'aspect Amelio, c'est godlike. Toute extension confondue. C'est injuste, mais là, je l'ai. Viens dire que c'est faux. On y va. Ose dire que c'est faux. Allez, let's go. Je peux dire que c'était faux, j'ai dit oh là là. Oui, je te laisse au tout. Oula, j'ai m'engolisé. Attention, ne vous mettez pas devant. Paquez-vous les casters tous sur un point quand ça va faire pop les zones. Alors. Donc pourquoi on a commencé à faire? Bon, pas grave, je sais pas. C'est une nouvelle strat. J'ai pas fait gaffe, my bad, mais. J'étais pas sûr. Bah ouais, on va s'adapter, Tant pour moi. Ça va être rigolo. Je suis pour Exica. Je vais vers Jive ou je vais vers. Je vais faire Jive. Ah non, c'est fou, c'est chiant. Moi j'ai un peu moins raté mon pool. Mais c'est pas fallu. Pas au pire, on n'y reviendra pas. Comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais moi? Je suis en train de slacker là, en train de réfléchir à ce que. Est-ce que mon déjus de lame fait vraiment de l'augmentation de dégâts ou pas? Je suis pas sûr en mono du coup. Je suis une merde, je suis une grosse merde. Ah putain, pourquoi j'ai fait ça? Du backpad pour esquiver ça? Jamais quoi, putain. On va se rappeler parce qu'il commence à être premier four. Quel enfer. Il y a une sale ambiance. Bon, au moins on est pas trop mal là. Oh là, oh là, monsieur, attends. C'est pas le givre, ça c'est, on est en foudre là. Faut pas se rappeler. Si, si, moi je viens de paquer moi. Je partage. Et tu laisses un commentaire. On est reparti du même sens que d'habitude. Je sais pas, j'ai bugué, j'ai pas vérifié où on était là. Je pensais que la personne aurait fait l'effort de faire le tour. Waouh. Quand tu connais pas en même temps, c'est logique de confondre. Voilà, il fait qu'un seul. Baron du solitaire. De terre. Oh, y a pas plus à côté de nous, c'est très bien. Mettez les bombes contre le mur. Voilà, des loups qui me volent là-bas. Oh, c'est toi qui es là? Cochon. Ouais, parce que j'ai claqué le. Bah, cochon. Écarte-toi de l'élémentaire, le petit druide là. Hop, comme voilà. Ça je prends pas les bombes, je les mets sur BE là. Ok. Du coup, elles sont mal placées, PVB. Et PVB. Je suis méchant. Merci. Du coup, on ira vers feu. On fait juste les choses dans notre temps, quoi. Ah. Là tu es. Et paquez-vous bien en distance. Vous avez un symbole. Sur notre magnifique piston avec ses petites ailes. On va se décaler bien sur le côté pour avoir de la place. Ouais, Chino est vexé hein.
J'annonce. Hein. Il est en train de dire putain de speed, Milo. Merde, là ça m'a cassé les couilles pendant tout le raid là. Avec ces touches qui brillent, qu'il faut pas utiliser là, putain, un blizzard de merde. C'est vraiment monopixel, hein. C'est pas à côté du diamant, c'est pour éviter qu'il y ait genre 3 zones. Là vous voyez, vous faites 3 zones à chaque spawn, c'est le mat. On perd beaucoup d'espace. Il va y avoir la danse. Bonjour, hein, je te vois toujours oh à l'avance. Oh là là. Les premières, on delay. Ah, un peu trop delay. Tu vas trop gratter, bro. Ah, j'avais le débug, je me dis, bon, je vais bien leur placer, ils seront contents. Mon cul va juste mort comme une merde. Ah, un petit peu. Je fais le caca. Ok, tranquille des familles. C'est dommage, c'est long. Et vous, les casters, restez paquets ou. Bénéficier des heals. Et petit shaman va avec les autres. Attention, je collerai le nom d'une personne qui viendra en m'aider. Complètement aléatoire. Arrêtez d'en sur les autres. Non, pas du tout, mais bon. Et ah. Oh bah, reste, là. Reste là. Lui, l'autre, quoi. Lui, il filerait depuis le début avec nous. Quel enfer. Ah, le clown, quoi. T'imagines, t'as suivi des mots, quoi. Je pense qu'il y a 100% de présence dans les raids comme moi, enfin... Mais quel enfer. Mais quoi. Ouais, je me suis dit, ah, le renvoi de sort marche, pourquoi il s'en va? Pas du tout, il voulait juste troll, quoi. Il a besoin d'évacuer, je pense, hein. Faut vraiment qu'il s'évacue. Ah, putain. Focuser le givre. Ah oh, merde, mon armée rouge. Vite, un changement de s'impose. C'est bon. Tout va bien. J'avais une deuxième arme sur moi quelque part. Le mec, je crois qu'il fait Neltarian de Vanilla, quoi. En hunt. Jora, ramène ton cul dans la zone, ça nous apnuit. C'est possible. Ou l'écaille de. L'écaille de. Okay, vous comment, en s'appelle... comment il s'appelle ce boss là? De quoi? Elle de mort là. Ah oui. Sur le dos d'Eldemort. Je peux te dire que les Chines, le bouclier du tank, tous les deux trains, il était rouge. Quand tu bloquais tellement, ton gros, il y avait 45 trades là à la fin. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on va foutre une vague, Gilles? Va aller où? Dis-moi. On va aller à foudre, il y a moins de sacs de foudre. Attends, pour même pas gratter sur le blizzard, il y en a pas. Ouais. Je croyais pas qu'on vous dit que c'est un raid mono à 90%. Il y a des phases où tu peux cliquer sur les armes, mais ça vaut pas le coup de spé pour ça. Quoi. J'espère qu'on va pas avoir besoin de passer. Et merde. On ira en pierre. Dans le milieu, on meurt. On ira en pierre, non? Non, il y a trop de sacs. Pierre, il est déjà 21, on va se faire détruire. Ah! Tu peux le ramener à mon cax, je t'en supplie. Je peux pas bouger. J'ai voulu, mais le boss m'a dit non. Ok. Comme tu peux le voir. Oui. Je suis un petit TLM. Tant pis. De toute façon, il va mourir. Ouais. Ouais. Allez, on reste jusqu'à la mort en foudre. Ah oui. Mais ce n'était pas l'orage, hein, je vous le répète, c'est juste qu'il y avait 100 d'énergie. Chose qu'on n'avait jamais vu avant, on est d'accord. Hein. J'avoue, je ne savais pas qu'il faisait ça. Je croyais vraiment que c'était l'orage. Ah, c'est ça la phase où il alterne les éléments. Mais quand, quand il a 100 d'énergie, c'est pas juste un orage, justement. Non, l'orage, c'est un timer, c'est un 9 minutes. Okay. C'est différent. Alors, il y a quoi? Ah, un token mage. On est d'accord que c'est l'originalité. Ah, on est d'accord que c'est le token de torf, hein. Oui. J'ai... Le coffre. Le coffre. Le token coffre, bah alors, tu connais pas? Est-ce que quelqu'un a un truc pour réparer par hasard? Enfin, je dis ça comme ça. À l'entrée du boss. La salle d'entrée. Là. Il y a un réparateur. Ah bah oui, mais de toute façon, on va passer par là-bas. Effectivement. Rip. Et quoi, les stats B en furie? Je crois que c'est hâte maîtrise. Reprends-les. Vous vous envoyez notre azoguette HM de 15 kilos là. Alors, Sika, je te vois te téléporter. Waouh. J'étais ouais, carrément ouais. Plus à côté. Alors, de moi là. Ah si, ça y est. Bonne nouvelle pour ceux qui lag. Hein. Moi, je n'ai pas un brin de lag. Oh, mais attends, si je vois l'inclinaison de la caméra, je te vois ou je te vois pas? Bah, moi non plus, j'en ai pas eu du tout. Là, quand je me mets paf de devant, je te vois te téléporter. Ah, hop, je me mets derrière, je te vois plus.
Hop. Hop. C'est j'ai drôle. J'ai pas eu de lag du tout de la soirée. Il est pété derrière le frérot. Je suis trop loin, qu'est-ce que je vais où? On va descendre ou pas? On va sur qui là? Ah, c'est Diorna, ça va? Il n'y a plus trop d'autres. Diorna et. Sika, tu descends? Et pourquoi faire? On arrive à Zaguet, on va appeler Mamas pour un Zaguet. Vous savez que j'ai fait Diorna tout à l'heure avec mon chaman. Il y a deux bacs qui sont tombés. J'ai fait 2 et 4 sur les rounds. T'as gagné ou pas? C'est ça l'important. Est-ce que t'as gagné? Est-ce que toi aussi tu gagnes avec un 6? Bien sûr que non. Montez. Il est parti, il est tout là-haut, Sika. Ah la pute! Il est tout là-haut. On m'a fait une virgule la bombe. Aïe! Mais. Ah! Je vais pas pouvoir arriver jusqu'à toi, Sika! Non, je vais mourir! Je vais m'effondrer avant! Ah, j'ai. J'ai deux joueurs, donc je t'avoue que bonne chance. Voilà! C'était brave de ta part, bon. Ouais. Oh, mais attends, t'arrives à porter, t'as tous les ads qui te sautent sur la gueule d'affilée là! C'est phénomène quand il n'y a que deux joueurs. Bon, bah, c'était fun, hein! Je vais réparer. Et ou toi au platoon, comme vous voulez, moi je m'en fiche. Vers si je meurs, c'est que j'ai fait une erreur, on va pas se mentir. Normalement, je le tiens fini, ça. Ah, tu sais, on est de route, frérot, hein. Les heals partent sur toi sans le vouloir. Hein. Ouais, les mecs dans le canal général, non, ils vont loin. Hein. J'ai jamais visé un DK tank, moi je te le dis. Hein. Ils sont même pas sur ma barre. Bon. Mirgal, t'en voulais pas du set là? Sauf rare exception, si, genre. Si. Ah bah si, mais je sais pas qu'on devait... Mais qu'on devait passer, non t'as pas dit ça au début. Attends, j'arrive, ouais, je me prends la bombe. Il dit qu'il préciserait éventuellement si. Bah... Pourquoi t'as pas voté? Bah je sais pas, j'ai passé parce qu'on m'a dit qu'on devait passer. Non, alors, vous passez... Non, T'inquiète, tu okay, mets ce que t'as besoin. Mets ce que t'as besoin dans tous les cas, mets ce que t'as besoin. En gros... Faut qu'on arrête de dire aux gens de passer, parce qu'en fait ça n'a aucun sens. Normalement, ils passent automatiquement en même temps. Oui, c'est ça, c'est avec RC Loot, tu mets ce que t'as besoin. C'était juste si t'avais pas RC Loot, faut passer. Ok. Votre défense, c'est qu'on n'explique pas. C'est bien. On m'a juste appris à taper, moi je sais pas parler. Il est en mode war. Quand vous êtes passé, c'était avant d'activer RC Loot parce que bah. J'ai plus récupéré tout. C'est qui le dernier? C'est fou. B. Oh là. Ouais. Mais j'ai. Aïe! Mais non! Le cri d'agonie. Mais moi j'ai une question là, les gens qui jouent à WoW-RP quand ils se prennent des tatines là, les tanks. Ils crient leur douleur à chaque fois qu'ils prennent une claque ou c'est quoi le truc? Ouais, je me mute régulièrement et je fais les mêmes bruits que les PNJ dans Dark Souls. Non, à chaque fois qu'il prend un coup, il fait un villageois de Minecraft. Oh. 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 Et l'autre, il est en train de jouir à côté là. C'est pas. Ils sont bizarres tes villageois dans Minecraft, toi. C'est quoi ton add-on là? Je repose une table, s'il te plaît, Bogost. Je sais même pas comment on fait le U là de mecs qui le font à chaque fois. Alors, moi j'ai vu un TikTok, c'était pas ça. Hein. Juste Ebli. Petite question. Oui. Tu donnes, s'il te plaît, le 7 à Fallen, s'il te plaît. Enfin, à moins que t'en avais vraiment besoin, mais c'est toi qui as reçu le loot normalement. Ouais. Ah, pipe. C'est quoi, c'est le torse? Oui, c'est le torse. Coffre. Oui, coffre, ouais. T'es où? Fallen, le mage, tu peux lui donner. Attends, tu l'as déjà équipé ou pas? Bah non, elle pourrait pas te le donner sinon. Ah, okay. J'ai envoyé ma référence du son que je m'imagine produire quand je tombe. Un bruit de jouer pour chien, voilà. Et là maintenant j'ai la fenêtre encore, je comprends plus rien. Ouais, pareil. À votre truc, je comprends rien là. En gros, concrètement, quand vous avez l'interface de WoW qui pop, vous passez, et ensuite il y a cette fenêtre là que vous venez de voir qui devrait apparaître, et là vous dites si vous en avez besoin ou pas. Okay. Donc, et à droite, vous avez une petite là, avec les dés que vous devez jeter, vous les jetez pas, vous passez, et par la suite, quand cette fenêtre pop, là vous choisissez si c'est besoin, seconde spé, cupidité, pour la transmo, pour être laid, pour avoir le même de pièces que Chino. Ouais, c'est vrai, quoi. Oh, je vais prendre les ads. Il y a des trucs à loot. Oh, il y a des trucs à loot. Il y a que ça à loot sur le journal.
C'est la grognasse qui loue tout. Il y a mes épaules dessus, je crois. Il y a les épaules de beaucoup de personnes et les doigts. Tu veux dire qu'il y a les épaules de 7, quoi. Forcément, ouais, c'est les épaules de 7. T'imagines quand même que. Quoi ? Je peux pas vous faire de résumé des mécaniques des ZAD parce que je les ai jamais fait donc je me souviens pas. Non, mais les ZAD, c'est bon. De... Il faut juste des gens qui ont. Est-ce que je vais taper les ZAD ou pas, Sika ? Chino, tu mets Chino, tu mets Plankton. Non, ça c'est sûr. Je vais sur les ZAD, c'est vrai, je peux ? Ouais, vas-y, viens. Ça va être la première fois de ma vie que je vais faire les ZAD. Non, tu vas pas faire les ZAD. Tu tricks par contre. Quoi ? J'espère que tu tricks. Tu tricks fort, j'espère. Tu vas faire les boss. Ouais, Alexa, il fait les. Attendez. Non mais attends, parce que là tu veux que je mette B sur les E avec moi, bon. Non, moi je veux bien, mais vous êtes bien conscient qu'il y a un risque de vibe, quoi. Il y a le net, hein. Bon d'accord, je vais faire les E, j'ai compris. Non mais moi, si tu veux... Ah oui, il y a B, mais B va venir. Non, non, je le ferai la semaine prochaine avec le DH, les ZAD, tant pis. Et Jorah, il vient avec moi aussi. Prends B, il tourne bien. C'est du monopure, je pourrais faire améliorer. Il y a B, il y a Johar, il y a Chino. Où et... ça? C'est tout. Et Platoon aussi, bien sûr. Platoon, il va où, Platoon? Je suis en mono, moi. Non, t'es pas en full mono, t'es en SP. Bah oui. C'est vrai que ça existe pas, l'aspect mono bon, en SP. Au lieu de me faire un liste des ZAD, je vais faire un liste sur boss parce que oui, je vais pas en avoir beaucoup. Non, attends, donc B qui fait les poteaux. Hop. Tac. Moi je vais. Il y a plus personne sur le boss, quoi. Oui, là il m'a tout pris, hein. Le mec. Oui, il a pris ça. Je sais pas, faut taper le boss. Mais non, même. Regarde. Oui, regarde. Hop, voilà. Bah, ouais, c'était bon, bah oui. Ah oui. Ouais. Non, Attends. Moi faut que je respecte, hein, si je suis sur les adams. Moi je. Mais Platoon, mais Platoon. Donc. Ah bon? Ok. Bah, je pense que Platoon est mieux sur le boss, du coup, puisqu'il sait. Attends, parce que tu me prends Plankton ou tu me prends pas Plankton en fait, c'est ça la question. Non, je prends pas Plankton. Ah. Tu veux Alexa pour les œufs, il va faire les œufs, je prends B à la place. On a quelque chose à faire en particulier. Tu prends B. Ouais, dans le jeu aussi. Que des sorts, et je connais pas les ZAD, donc je peux pas vous dire ce qu'ils font comme mécanique. Attends, moi je. Sinon, tu vas sur les ZAD alors. Je suis sur les ZAD moi. Oui. Je sais même pas ce que c'est les. Au niveau de vie, c'est bah... tu peux c'est des petits dragons et des humanoïdes draconiques. Le plus dur, je connais pas en ligne. Le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est solo boss, mais oui. Vas-y, je vais solo les trash. Hein. Ou tu solo boss? Bah, je peux essayer de solo boss après, à voir ce que ça donne vraiment. Parce que le problème, c'est que moi, c'est. Il n'y a pas de dégâts. Sur la durée. En NM, il n'y a pas de dégâts. Pas y arriver, quoi, c'est ça en fait. En NM, il y a zéro dégâts. T'as Myrgal en plus, j'avais pas vu, t'as Myrgal en plus là. Attendez, c'est quoi le. Y a combien de personnes sur le groupe le truc pour savoir si je me mets en SP mythique plus ou pas, quoi? On est 5 sur le boss. Ouais, donc je me mets en SP mythique. 5 à peu près. Je me mets en SP mythique plus. Peut-être 6 maximum. Ah, petite fatigue quand c'est arrivé là, bouge pas, ça retombe. Ok, bah, je suis passé en SP DPS à Wesh. B, est-ce que t'as un build à Wesh? Là, ATM. Ouais. Ok, ouais, donc tu as compris qu'il fallait pas être sur les ZAD, t'inquiète, il est là. Ah ouais, ça switch direct. Je reste sur le boss. Il était à deux doigts de. Oui. Ouais. C'est qui? Oui, Fallen. Oui. Ok, t'es sur, bah, sur le boss. Les groupes sont faits. Hein. Le groupe 1 va avec Sika, le groupe 2 ira avec Néo. 2, 3. Groupe 3 aussi. Il ira avec. Après, vous débrouillez. Hein. Ah, Ebli qui vient avec le guerrier tank et. Je lui ai mis un carré, j'espère qu'il le garde. Rappelez-moi s'il est pop, sinon je lui remettrai. Et Sleven sera avec nous, groupe 1. Et c'est groupe 1 avec moi, donc. Ah, parfait, je suis sur les ZAD du coup. Non, c'est ma macro. Non, t'es avec CK. Non, mais je rigole. C'est ma macro, Sleven. Ah, vas-y, teste-la. Jamais tu l'auras, frérot. Je teste ma macro, elle est pas mal, non? Ah ouais, elle est bien casse-couille. Ouais. Il est en train de full spam pay. Non, innerve juste. Ah ok. Innervat. Vas-y, on y va. Platoon, si tu veux, tu peux faire des œufs avec nous pour qu'on aille plus vite. Comment on fait pour faire les œufs? Faut taper dessus. Tu vas sur le staff. Tu te mets dans le cercle, tu cliques sur la distraction bouton et ça te poursuit. Et tu fais passer le truc qui te poursuit dans l'œuf. C'est ça. Ok, je vais tester. Je garantis pas l'ouverture de l'œuf. Non, mais on va faire ceux qui pètent, nous, avec Alexa, et je te laisse si tu veux en faire un troisième. On peut tous prendre le bâton, c'est ça? On a oui, que 3 stars. Tu peux prendre comme le ça. Bâton si vous voulez. Quoi ça? Je suis pas sûr que ça fait 3 gros. Ah, mais attends, ça veut dire que.
Attends, j'utilise mon bijou, on va voir. À tout moment, je peux pas faire l'œuf. Ok, ben, peut-être qu'on soit prêt éventuellement à faire l'œuf qui est sur le flanc du boss. Stop, non, c'est bon, j'aurai le temps. C'est bon. Avec tout ça pop là. Ah, ça pop juste à côté de nous derrière, attention. Yes. Tu veux que je décale ou tu veux décaler sur la gauche? Je vais essayer de décaler, mais. Parce que j'aimerais bien faire les deux œufs là. Stop dans deux. Je pense qu'il est devant le boss toujours. Ok, je vois que. Non, ils sont trop proches, ouais. Ah, pardon, c'est moi qui vais faire cette même. Oh putain. Ouais, non, il a pas assez carte rouge. Ouais, non, mais parce qu'en fait, chacun avait son move tranquillement et moi j'ai qu'un coup de tonnerre à haut. Mais... Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut BR? Est-ce que. Alors, Sleven fout lui sur notre groupe. Et va BR. Il y a les ZAD. Non, mais c'est mort, c'est mort. Parce que je ne peux pas aller BR, moi, pour le coup. Tu es un peu loin. Tu veux pas... On peut wipe rapide, oui. Est-ce que tu peux décaler plus ou est-ce que je fais un autre paquet d'œufs? Réponds, hein, moi je m'en fous. Ah, fais un autre paquet d'œufs, s'il te plaît. Ok. Tout simplement. C'est vraiment, je m'en fous, c'est juste pour être sûr. Si c'est un risque et que c'est tendu avec les casses et tout, on le prend pas. Et c'est très étrange que ça soit différent. Bon, là. J'ai pas compris, mais... C'est différent quand c'est pas pareil. Non mais c'est différent, et même juste en fait. Pas même. C'est pas grave, normalement il faut pas la jouer. Tu peux mourir, B, s'il te plaît, là. Mais ça... ça tape dur, hein, il faut healer, là. Non, il va pas. Non mais il y a zéro dégâts, normalement. Il va pas rechoper son arme rouge en plein trajet, c'est la merde. Non, même Sleven, non justement, au cake, il y a vraiment rien, parce que... C'est pas... Il savait pas d'AWF, les explosions des œufs, donc il y a pas de heal à faire. Ouais, mais après, tu vois, nous les Druids, on a un petit problème, c'est que c'est par rapport au hot qu'on vous met que notre maîtrise augmente et qu'ils n'arrêtent pas de bouger et qu'il n'y a jamais personne dans mon efflorescence, je vais tous vous démarrer en fait. En vrai, tu pourrais... Si tu la mets au cac, il va falloir être compliqué. Hein. Demandez au casseur de se mettre à côté du boss. Vous mettez sur le flanc du boss. Il n'y a personne. Ouais. Non, ouais. Vous avez de la chance que je n'ai de les épaules, hein, sinon je serais venu avec mon chaman heal. Ouais, bah, tu serais passé des pièces et je serais passé il là. Hein. J'ai un bâton 421, les gars, à cause de Katoïne, faut bien que je l'utilise, non? Alors, à cause, non? Que, mais... Ah, si, si, c'est à cause de lui. Parce que t'avais qu'à vérifier ta spé avant de partir, avant de. Le soir, avant mercredi, donc mardi soir, je suis parti faire avec une clé avec ce mec. Il m'a dit, vas-y, switch de spé, s'il te plaît, j'ai besoin du bijou, j'ai switch de spé. Pour moi, quand quelqu'un te demande de jeter de spé, ouais. il a le devoir de te rappeler, de remettre ta carrément. Le devoir. Et là, il m'a laissé en plan et je me suis réveillé. Putain, au lieu d'avoir une arme 421, j'ai un bâton 421, quoi. Bah, c'est pas mal un bâton. Mais j'en ai rien à foutre, je suis jamais lourd. Bah, tu tapes avec, tu te démerdes. T'as qu'elle aiguisait très vite, très fort. T'imagines que t'aurais pu avoir une arme 421. Attendez, faut que je régène malin. Tu t'amuses bien, Sika? Non. D'autres questions? Je vais essayer de les bouger rapidement, mais là j'ai pas de mise direction et chacun prend son ad. T'as un caster à l'autre bout du monde qui est en aglégan pendant que je dois récupérer le proto de l'autre côté. C'était fun là. Là, j'ai bien aimé. J'ai un éclair au-dessus de la tête. C'est normal, il y a Diurna à côté de toi. Laura du boss. Allez, c'est bon ou pas? Ça fait c'est la tête. J'ai envie de sauter. J'ai envie de démarrer et de monter en l'air. Il y a plus de petits carrés. Ah là, dealer. Incroyable. Oh, ça il est 23h09. Faire une pizza à l'ananas, c'est de ma mère. Précis ça. J'ai rien dit, c'était bien. Et ça pop. Ça va pop, en tout cas. Mais qui me ment, comme à chaque fois, ce gros chien. Et qui n'écoute pas ce que je lui dis en MP, je le déteste. Ah. C'est ma vie. De faire non, les oeufs. Non, mais c'est bon, je me fatigue.
de faire les œufs. C'est pas d'effort, mais... c'est terrible. Mais... Oh, j'ai écrit. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les deux autres ont deux fois. Ils ont bah, j'ai écrit. J'ai écrit dessus. Voilà, c'est tout. On est là-bas, du coup. On a deux œufs. Allez, allez, envoie ton bâton, envoie ton bâton. C'est quoi ce spell cumine de tes grands. Je retourne un peu dans les flots. Juste histoire de voir où est-ce que ça porte. À l'autre bout. Ah, oh putain, c'est à l'autre bout, les amis. Ouais, ouais. Il faut le tuer, hein, rapidement. Ah oh bah non, tu sais, on le regarde, on fait des papouilles, quoi. Mais Chino, il faut DPS le mob. Derrière toi. J'adapte un peu ma route à ce que t'as besoin de faire. Ah, oh, tant pis, tu regardes. Je suis sous CDF. Hop hop. Mais le problème, c'est que voilà, moi je suis sous. Ouais, mais fallait DPS LAD plutôt que rush les autres. Plein récup. Souffle sur vous. C'est où que ça pop? Non, ça pop pas encore. À l'autre bout encore. Oh putain, c'est à l'autre bout. On y va. J'ai pas coupé, On fait ce bâton et on ira de l'autre côté. Attention, t'es proche là. Ouais, je. M'écoutez-vous, monsieur. Je dis de l'autre côté. Là, je suis vraiment petit fou là. Pour faire les deux, j'ai pas pu faire tout à l'heure. On va aller vers le carré triangle, à faire les deux à côté. Hop hop. Je suis armé, je suis armé. On va aller le groupe boss, on se balade beaucoup du coup. J'ai un peu avec le spawn des abdos de dernière seconde. Bah, ton le proto, hein, s'il vous plaît. Le proto, le proto. Tu veux ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, hop hop là. Les tanks. Chez Sika. Yes. Allez, faut le tuer là, faut le tuer. Je peux pas y aller, il va prendre le buff. Hey, ce heal. Vas-y. J'ai essayé de me réécarter, mais je sais pas un peu. Ah compliqué. Non, c'est carrément le buff. Reste là, reste là, reste là. Oh putain. Ah oui, tu m'as fait un fake. Aïe aïe. J'ai pas dû faire confiance. Je te faisais full, je te l'ai remis du bâton. Avec le spawn des ânes. T'as oublié ton œuf, gros. Ouais, j'ai quoi. Rabattre là sur. J'étais en élève. Ouais, bah je peux pas le prendre. Ok. T'as un ad? Ouais, ouais je te remets. Quelqu'un le rabat sur toi. C'est le bombi joué LM là qui m'a trigger. Oh là là. Le proto ne fait que auto-attaque. C'est votre dernière priorité, vraiment. Prends l'œuf derrière, Alexa. On va en faire. Je ne peux pas jouer mon fufu correctement dans ces conditions. Ah oui. En fufu, c'est vraiment pas fun de le faire. Vraiment pas, quoi. Ouais, mais j'ai pas de chasseur malheureusement. Hop hop. Personne qui va s'amuser à le faire. Là, tout ne va pas s'amuser, tu ne vas pas t'amuser. C'est juste parce que je sais que t'as l'habitude de le faire, mais je préfère. Je vais devoir. Oh là là, c'est la merde. Juste. Normalement, j'ai le temps. Ouais, c'est... Il faudrait que tu aies des câbles vraiment oh là là. De là d'où tu viens. Non, il y a les autres qui spawn. Bon, on aura deux protos et on va BL sur les. Ah bah non, non, je vais. Bah, faut garder vos CD, il faudra qu'on dégomme les ZAD quand on va passer en P2. Et j'ai pas le choix de les laisser péter les œufs là. Donc il y aura deux protos à gérer en plus des ZAD. Ah, mais... C'est le mieux que je peux faire. Je peux pas faire mieux. J'aurais peut-être pu faire un œuf, je pense, vu la distance. Ça aurait peut-être pu toi, ouais. Moi, non, parce que j'aurais rapproché de base des ZAD et ça aurait été l'enfer.
Go to paquet, go to WoW. Vous les routes si vous avez des fois. Virer les routes. Et dégommer lui. Là, lui, il faut qu'il meure, c'est lui qui va nous tuer. Excellent SLT. Vous voyez quand vous êtes poursuivi. Évidemment. Ok, arrive. Je capte donc ça va plus vite. Ah, j'ai plus ma capte. Audrance. N'hésitez pas à venir au cac hein, sur les zones de ville là. C'est une danse, voilà, vous pouvez sortir quand vous avez la foudre, vous paquez quand il y a du givre, et dodge le feu, on spawn. On se dépaque au feu, on se pack pour le givre, et on court quand on a la foudre au cul. Oh, je suis mort là. Il y a de grandes chances que je meure. Il va y avoir de la foudre, je vais à MZ. Pire stack en plus, putain, mais quel teubé quoi. Vous avez le truc courrier hein, évidemment. Ah, ouais. Ouais. Ouais, c'est des devoirs là, pas la con comme ça, qu'il faut te faire chier. J'ai vraiment joué comme de la merde depuis le dernier boss, pur bonheur. Wow. Ouais. Ah, bah y'a le trinket, bah voilà. Oh, bah le trinket, nickel. Dit-il en secouant son sac de riz là. Ouais, j'ai mangé mon micro, frérot, quoi. Ouais, j'ai mangé mon micro, c'est mon micro qui a touché ma barbe. Ah, il est coincé dedans. C'est quoi ça? De la forge? Ça dégage. Royal. Bon, bon, bon. Prendre le bleu. Le rouge. Le rouge est bien. Et j'ai eu le rouge. Toujours faire confiance que ça dragon. Passe, mais peut-être on je fais un rappel, on va voir. J'avoue que je pense que je vais devoir un peu improviser, modifier, et je vais peut-être récupérer des gens s'il y a des gens qui sont en guild pour aider. Ouais, ouais sinon on va voir. Je switch. Hein. Je pense qu'il va falloir switch sur quelques mains, les gars. Ouais, il faut attendre. Parce que moi je switch sur un tank, c'est sûr. Je vais voir en guild ce que j'ai. Moi je suis forgeron, je sais pas s'il y en a d'autres des forgerons. Mmh. Mais... S'il y en a pas d'autres que moi, moi je l'ai déjà. Ah, il y a 6K, vas-y. Je l'ai déjà. Je l'ai écrit à B dans la main. Ah, 45K, mais c'est nul, putain. Le bras. Non, moi nous 45K, ouais. Non, je suis sur les ads, monsieur, c'est pas du mono. D'accord, ok. On va la refaire. Ouais, j'étais en train de me dire, ah, c'est bien quand même, en Amélio, t'as bien chopé le truc et tout. Non, c'est en LM et sur les ads. Pourquoi je te vois? Ah, ok. Ah oui, voilà. Bien, c'est bis le trinket ou c'est juste que. C'est ultra bis en mono. Mais vraiment, c'est démoniaque en mono. J'ai pas entendu mais bon, gros. C'est du spé. Personne en veut de. Non, personne en veut. En fait, on sait même pas de quoi tu parles. On n'a pas entendu. On a des personnes en mono. 7, mais Sika, il a son bonus du coup, non? De quoi? C'est démoniaque, chasseur de démon, Sika. C'est les épaules. T'as déjà les épaules toi, Sika? J'ai les épaules en mythique. Ah oui. Il y a des je les ai eu dans le coffre. C'est la tête ou le torse qu'il me faut. Razaguette. Oh putain, j'étais en train de me dire merde, je me vois pas, mais j'étais dans Ebli quoi. Mais où? Excuse-moi madame, j'avais pas vu le consentement, tout ça. C'est sûr que je me bats en KB, ouais. Non, je peux pas. Jusque là, j'ai pas de temps. Je sais pas tanker, c'est pas une blague. Hein. Il faut qu'Alexa passe sur son tank. Aucune idée de. Encore. Encore. Et allez, encore. J'aime bien votre blague, hein. Elle est sympa. Moi j'aime bien que ce soit une blague, bro. On aimerait bien que ce soit une blague, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Putain, mais non, mais. Honnêtement, je le ferais bien volontiers, mais en chaman, c'est pas possible. Je vais chercher, mais vu que je n'ai pas accès à ma liste d'amis parce que Bennett est craché, en plus, ça aide pas, quoi. La tuile. Bah je serais bienvenu volontiers en tank, mais ça serait compliqué, je peux pas tank en chaman. Il y avait une époque à Légion, on pouvait taunt, frérot. Hein. Fais un effort. Oui, oui. C'est faux. Non. Si, un boss de raid, c'est faux.
pouvais je vais s'il y a pas des gens là pour tanker. De tempête et tu pouvais, des terres, tu pouvais taunt. Non, bon, je les ai déjà les épaules et le patron t'a dit que je l'ai déjà aussi. Je viens tout juste de recevoir ton message, c'est qu'afin de le regarder en fait. Donne-le à Chino, attends. Bah, il faut que tu le. Ouais, non, tu le personne. C'est quoi ce son? J'ai oublié. Il m'a envoyé un son. C'est un mec qui fait une voix bizarre. Il y a Osamuan, ah, mais Osamuan il est. C'est une espèce de. Oh, non, sinon, faire, comme ça là. Faudra prendre un bug. Hein. Je suis pas sûr d'entendre. Tout simplement. Platoon, tu veux passer heal ou tu veux que je passe heal? Y'a ouais, pas non. Ton copain Arca, je sais pas quoi. Alex, ton copain tank là. Il a un repas de taf. Ah ouais, je garantis pas que je vais rester en vie, hein, parce que j'ai vu la paix, hein, c'est tout. Informe. En vrai, je pense pas qu'il y ait besoin d'un autre heal là. Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est pas au healing qu'on a des problèmes. Parce qu'en vrai, Platoon, on est à peine 12, frérot. 4 heals pour 12 personnes, c'est pas tard. C'est trop, quoi. Le problème, c'est que c'est trop, ou alors faut que Seven passe en DPS, quoi. Non, mais on va prendre du monde là. Si vous voulez, je prends mon chamélio, moi j'ai aucun problème. Ça m'arrangerait. En vrai, ça arrangerait tout le monde. Ouais, c'est ça. Il faut un tank. Attends, attends, avant, il faut déjà un tank. Ouais, de toute façon. Et sinon, t'as que eu un BD. Ah, mais tu ping Razolet, NM only. Au pire, tu prends un tank et tu prends un DPS bien énervé, c'est tout. On passe à 30, et puis voilà, on s'enroule dessus. Voilà. Je suis pas sûr. Enfin, réduit du hard, c'est bon. Ça sort là, dans une heure, là, ça sort, hein, dans 40 minutes. Je fais le whisk. J'ai l'air d'être un connard qui va jouer sur classique. Oui. J'ai déjà fait les raids, je vais pas les refaire. Non, mais c'est bien, j'aime bien la nostalgie, tout ça, les gars. Mais... C'est pas non, mais je suis d'accord avec toi, mais. Moi, j'ai un titre, ça s'appelle Faucheur de la mort. Voilà, j'ai déjà fait le duard, les amis. Ouais, mais moi aussi, j'ai déjà fait le duard. Tu veux bien inscrire Sika parce que je peux pas noter des trucs. Je peux te dire, j'étais même chamé. C'est vrai que t'as pas de rap. Ouais, bah en même temps, c'était la meilleure spé de l'époque, donc chaman. Frérot, moi je suis chaman depuis la naissance. Et en personne en guild? Bah, moi aussi, ça va faire 13 ans maintenant. C'est apparemment, hein. Et j'arrive toujours pas à jouer à la Melio. Hein. 13 ans, je joue chaman. Oh, mais ça a bien changé à Melio. Ah, oui, c'est du mono ça. Bah, c'est ça, à Melio, genre, à chaque extension, il la complique. Passionnant. Moi j'ai joué chez Chamelio à Vanilla. J'ai fait des. Merde. Des vallées de. Ils sont tous dans la guild en plus. T'as le Terrac pendant des jours et des jours pour avoir la masse à deux mains et faire des. Est-ce que tu as l'addon pour voir un peu le progrès des mecs? Est-ce que j'ai oublié de récupérer Redario? Non, j'ai pas moi. T'es un bon petit hors-deux toi, hein, parce qu'il n'y avait pas de Chamelio en alliance à l'époque. Bah. ABC, il y avait pas, ça arrivait à LK quand ils ont. Ouais. Attends. Ouais, ils étaient que côté Horde. Il y avait pas de Chamelio en alliance à l'époque. Et moi, j'ai été Draenei. Draenei Shaman. À la création de mon perso, j'ai été Draenei. Il y avait que. Mais si, enfin, moi, j'ai joué Chamelio à Vanilla. Oui, mais c'était Tauren. T'as été Tauren. Ah bah. Et Troll. Oui, moi, j'étais Troll. Ouais, troll Shaman, et après je suis passé Draenei Shaman. Il est orc, hein. J'étais Draenei et moi j'ai joué Chamelio quand c'est sorti. Moi j'étais. Ouais, je pense que j'étais orc. J'étais pas Tauren. Hein. C'est mon premier perso donc. C'est sûr que c'est à venir. Ouais. Oh, Elysium 404 là. 7 sur 8. Tu peux fermer la recherche. 8 sur 8, ouais, vas-y, prends le. Ferme la recherche. Ah ouais, ah non, merde, on a pris quelqu'un. Bah tu fais clic droit, éjecté. Tu peux kick, hein, tu kicks le discern direct là. Il est pas encore arrivé. Ça... Il est parti de lui-même. Non, c'est moi qui le kick. Pourquoi? Il est parti de lui-même avec un peu d'aide. Parce que il doit avoir un tank, Alex là. Qui a un tank? Ah. Bah. Ah non, j'ai pas de tank. Il va prendre son DH. Putain, mais vous avez un grave problème de communication. Hein. Non, je laisse planer le doute avant de dire quoi que ce soit. Ouais, mais en fait, non, les frérots, moi, je les tags et on vient de refiner un peu. Arrêtez de faire des conneries, quoi. Ouais. Passe sur ton chaman, Amelio. Me faites pas des blagues comme ça, quoi. C'est impoli. Non, je t'entends pas. C'est pas une blague, c'est juste que je laissais planer le doute.
et oui, qu'en fait, non, pendant que mon jeu est en chargement, je peux pas appuyer vu que je suis en push to talk, ça marche pas. Vous m'entendez pas en fait. Attends, regarde dans Guild s'il y a pas un bot qui veut pas venir aller. Bot qui veut pas venir aller. Les amis, on a déjà demandé. C'est juste si Alexa prend son DH et tank, sinon je prends un PV. Oui, mais en DPS, Bone, s'il veut pas venir. Je sais pas. Faut juste que je regarde. Ah, il est en. Bone, il doit être en train de faire autre chose là. Ok, donc là, tu prends vraiment ton tank. Ton tank. Oui, tu prends vraiment ton DH en tank. Ah, d'accord, ok. Je regarde juste le tank. Et Sliven, toi, tu es où? Sans Chamelio, sans Chamelio. Allez, come here. Okay. On va essayer d'équilibrer avec les main speed de tout le monde parce que sinon on n'est pas sorti de la perche. J'aimerais bien aller me coucher de bonne heure si ça vous dérange pas. Gros, je fais mon maximum. Hein. Non, non, mais c'est pas pour toi. Je disais pas ça pour toi. On aimerait bien se coucher et finir le plus vite possible. Ouais. C'est ça, ouais. On est tous d'accord sur ça. Hein. Pas bon, c'est ta faute, Tika, mais fais tranquille. Bah ouais, je fais pas d'efforts, j'aide pas beaucoup la guilde. C'est épuisant. En plus, je vole tous les parts, je vole tous les trinkets. Laisse tomber, il vient, il rafle tout et après il se rafle tout. Incroyable. Oh putain, y'a pas de TP. Là, j'arrive. J'allais où moi? Je sais plus si j'allais à droite. Oh, vas-y. Non, t'allais à gauche, mais bon, c'est tu pas grave. Tu peux mettre B et Nello dans le même groupe. Dans le dernier soir, je suis allé à droite et l'autre soir, j'étais à gauche. Gauche en DPS, je crois en temps. Toi, le dernier soir, j'étais à droite, j'avais remplacé Glor et j'avais laissé M à gauche. Mais ça dépend en quel temps on parle. Ah mais les filles elles connaissent pas non plus donc faut qu'on voit pour céder pour les aider. Oui. Platoon. T'as bien sûr si tu l'acceptes. Oui. De officier heal. Même si tu veux pas. Fais une présentation. Il va looter. Non non. Moi, à tes camarades. De leur si tu veux pas place. Bah tu le feras quand même. T'as pas le choix. Déjà que tu prends jamais le lead dans les soirs officielles et que c'est moi qui le prends. Ouais. La P1. C'est une option Platoon. La P1 il faut heal. Après en P2 on va aller heal. J'adore. Et on revient après avec le... Parfait, tu vois, meilleur raid leader ever. Pourquoi on s'acharne à donner des strats alors qu'il y a des phrases simples comme ça? Eh Platoon, écoute-moi bien. Il faut claquer CCD avant, avant l'explosion. La seule, pour les heals, la seule chose qui est vraiment compliquée, c'est quand les gens vont poser leur marque aux trois symboles qui vont être mis. Il faut effectivement heal très fort les gens et le raid, parce que c'est à ce moment-là qu'on prend des dégâts. Donc on claque nos CD de raid, nous les healers. Donc, vu qu'on a un druide, on va claquer tranquille. Ah bah y'a Mamas, vas-y groupez Mamas. Il a déjà fait Mamas. Attention. J'ai déjà fait, mais si c'est pas... Ah, ça fait un but de moins du coup. Ah non, on vient pas. Ah, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Ah, mais... Ouais. Pas grave, mais c'est pas grave. Du coup, on claque une tranquillité en premier. Ouais, la tranquille, tu la claques avant que ça explose, pour que remonter le raid, faut que tout le raid soit top. Si vous êtes pas top au moment des explosions, vous allez mourir. Donc le but des timers de heal et des heals, c'est qu'on top le raid avant cette phase où les buffs explosent. Donc on va mettre une tranquille sur la première, sur le premier set. En deuxième, on va mettre, je pense que le SLT pourrait faire le taf. C'est vrai que j'ai pas et je garderai mon salut pour le troisième, parce qu'on aura peut-être les étincelles aussi. On aura les étincelles, les timers sont les mêmes de mémoire. Donc on va se faire ça dans cet ordre-là. Et quatrième, il n'y en aura pas parce qu'on est fort en DPS. Oh, je pense. On devrait le dégommer. On verra. Après... Je vais voir pour la BL, on va pas la claquer. Et on ajustera la garder. Mais je pense qu'on peut la garder. Ouais. Après, au niveau des groupes, chacun va aller avec un tank à droite à gauche. Sika, je pense, a dû faire les groupes. Pendant que je racontais l'histoire de la P1. J'ai fait les groupes. Voilà. Donc vous irez sur vos groupes avec vos tanks, vous ferez bump, vous tuerez les ZAD en évitant les rayons du boss. Et on revient tous ici pour la P2. Voilà. En P2, au niveau des heals, il faudra qu'on les mette pareil au moment où il y a la vague où on est repoussé là. Qui fait très très mal. Donc on gardera le... Enfin, on ne va pas garder le même, je dirais... Qu'est-ce que je pourrais changer un peu useless pour le coup. Mais on pourra peut-être l'utiliser quand on stack pour les avec de la poly. Les bleus, verts, rouges, noirs, à droite, à gauche, en haut, en bas. Juste, t'as parlé des plus et des moins là, parce que j'y étais là. T'as pas suivi, mais t'écoutes rien. En plus, il m'interrompt pour raconter des conneries. T'as parlé des plus et moins. Allez-y. Donc sur la P2, quand on arrive, il y a cette phase de, comme dirait B, de plus, de moins.
comme pour la fixe de saison. On a un petit tourbillon sur la tête, on a une petite tornade. L'idée, c'est de se paquer très vite avec ses camarades. Donc les couleurs, moi, je sais pas parce que je suis pas très très couleur. C'est moins à gauche, plus à droite. Et voilà. Donc retenez, il faut absolument vous paquer très vite pour que tous vos copains qui sont de la même... Fais-moi une promote, s'il te plaît. Du même signe que vous, profitez du buff de dégâts pour pouvoir exploser le bouclier du boss. Tu l'as. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a la mécanique où on est repoussé, où il faudra que nous, les heals, on remonte le raid. Et il y a la dernière mécanique, je crois qu'elle est aussi en normal, hein. Les grosses zones là où il faut s'écarter de ses potes. Donc les gens qui ont les grosses zones là, ils sont ralentis, sont slow, ils peuvent pas bouger très vite. Donc charge à nous de sortir des zones. Andri, tu peux changer de forme, ça t'enlève le slow. Toute immunité au slow vous permet de vous déplacer plus facilement. Le chaman en loup fantôme. Voilà. Tu veux venir en DPS, les blink. Donc du coup voilà, en gros c'est ça. Après, si on y arrive, on verra comment on négocie la dernière phase avec les ZAD et tout le dernier bump. Mais... Vu que Sika a révisé sa strat normale, il pourra... Je pense que Platon, tu devras annoncer les CD en vocal. Ouais, je vais les annoncer. Bah, Sika, j'ai 3% poli. Let's go. Petite chose, les gars. Petite chose, les gars, juste pour, concernant les démorphes, etc. C'est pas du tout avéré. Hein. Moi, j'ai fait Razaguette en Brood Hill. J'avais la zone, je me suis transformé en chat, ours, tigre, lion, volatil, ce que vous voulez. Ouais, mais mes druides de la dernière fois m'ont menti, bro. Ouais, parce que j'étais toujours slow comme un chien, t'as dit. Ah bah tu vois, forme de chien, ouais, ça marche. Même en chaman, t'es slow. T'as juste une réduction de slow, tu seras pas slow à 100%. Bah slow, tu te déplaces à 100% de ta vitesse, c'est exactement l'effet du sort en effet. Vas-y, on va enchaîner parce que je pense qu'on l'aura pas au premier coup. Donc... Alors, faites très attention, vraiment le plus important, c'est au moment des debuffs là. Celui qui a le losange. La personne qui a le losange, il faut absolument qu'elle vienne se placer ici, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Les deux autres, ceux qui sont étoiles et ronds, si vous vous retrouvez du même côté, vous placez les zones loin de tout. Parce que plus vous mettez les zones près de nous, plus on prend de dégâts. Donc l'idée, c'est que vous êtes en zone bleue qui prennent la moitié de la salle, là. Voilà. Autour de la personne, les grosses zones. Et c'est très important qu'on la pose sur le losange, parce qu'après, on va se paquer devant quand il va nous repousser, et ça va nous retenir. Donc c'est très important de la placer ici. Les autres, avec vos couleurs, vos trucs, si vous avez peur de pas gérer, si vous êtes à l'autre bout du monde, si vous savez pas où aller, allez dans votre coin, loin des autres, et claquez quelque chose pour survivre. Voilà. Attends, est-ce que j'ai mis les couleurs de l'autre côté, moi, quand même. Ça devrait bien se passer. C'est bon, j'ai mis les couleurs de l'autre côté. Non, En vrai, vous en faites pas, le raiding sera fait en temps et en heure, parce que on sait très bien qu'il va 6800 000 strats. Oui. J'essaierai de faire des calls. Au fur et à mesure, j'en fais de moins en moins parce que j'ai oublié. Il y a des petites zones au sol à éviter qui te stun une seconde. Je vais pas vous préciser quand vous voyez une zone au sol. Après, j'imagine que tout le monde l'a déjà fait. Je veux dire, le rayon laser, il y a personne qui va se le prendre. Voilà. Je veux dire, après, tu vas te prendre un karma, toi. C'est la logique à prendre, ça. Et ben, un buff torride, s'il te plaît. On va l'annoncer aussi, comme ça, ce sera fait. Merci. J'ai aucune stat tank. Let's go. Wow. Ah bah ouais, c'est bon, pour là ça aussi, là. Putain. Il faut bien une de. Je sais pas pourquoi chaque fois je la tiens, mon putain. Putain, c'est lui, ça fait mon trinket, c'est normal. Je m'en prie, là, respectez bien vous, c'est un... Mais vraiment, sur vos signes, c'est important. Et là, c'est là que tu dois claquer ta tranquille. Avance un peu, tout le mage. Avance un peu, le mage. Et attention, un souffle. Voilà. Et en reste pas le souffle. Un souffrant. Voilà. Voilà. Ouais, j'étais en tranquille, justement. Mais c'est pas grave, si tu vois que tu prends le rayon, tu lâches la tranquille, t'as survécu. Alignez-vous près d'une flaque, attention, vous allez être repoussé. Devant une flaque, peu importe laquelle. Voilà, dans la queue du boss. Ah, nickel, ça devant, sur le côté, c'est tombé. Pardon, il y a le saut en plus, j'ai tout pressé. Ouais, je t'avoue que je suis habitué. La dernière fois que j'ai tanké, c'était avec DBM, du coup, quand je savais pas, ça me disait. Mais là, je l'ai plus. Enfin, pour ceux qui sont là. Non, t'inquiète, je vais le voir, je vais le voir. Un peu juste que je fasse gaffe. Okay. Attention, souffle. Donc là j'ai zéro lag sur le souffle. Hein. On se replace devant là pour se faire bump et se faire retenir. On fera attention d'aller placer ces zones de merde. Ils étaient seuls là. Je veux quelqu'un voir. Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait têche là. Oui, pour de bon. C'est plus grand que ça bump en temps. Bim. Allez.
Allez, on s'écarte les uns des autres et on défonce son étincelle. Hein. Ça, un contrôle de. Faut juste la cut ou la stun. Ou la stun de masse, quelque chose. Les... Placez-vous. Allez, placez-vous. Recule un peu l'étoile. Juste recule, juste recule, juste recule. J'ai proc. Ah oui, d'accord. Je t'entends bien, toi. 5 à la fois. Ça part du mal d'intention, mais ça va être brouillon. Ouais, non, mais... C'était plutôt pas mal ce qu'il y a eu. Pensez vraiment à votre survie. Les chiens sont polis. Et les timers de une, on va les caler tranquillement. Concrètement, juste pour. Bah, de toute façon, on peut se suicider. Les plus grosses zones de dégâts, ça va être le moment où vous avez les. Quand les gens ont les bombes et qu'elles explosent, donc les trois zones que vous posez, et le souffle. Ce sont les deux plus grosses périodes de dégâts dans la P1. Donc en gros, quand il vous dit de claquer vos CD, il faut les claquer avant que ça explose. De préférence le drone kill, donc et puis décale un peu parce que juste après l'explosion il y aura le souffle. Donc si tu fais en plein milieu de là où on est, tu claques ta tranquille, tu vas devoir l'interrompre obligatoirement. Et pour toi, chaque nouvelle là, il faudra que tu poses ton SFP. Comment rire, Sika, s'il te plaît. Il faudra que tu poses ton SFP. Je le laisse finir son SFP. Avant que les trois mecs seront passés, mais toi tu dois poser ton SFP avant que les trois mecs explosent. Pour partager les dégâts entre tout le monde. Et quand on dit le poser, c'est genre juste devant là où on boss, est tout paquet, quoi. Ouais, voilà, là, on est tout paquet au centre, quoi, juste devant nos entre vous, protection terrestre, ouais. Donc c'est vraiment les seules phases de purs dégâts. Le reste du temps, y'a rien. Ouais. C'est vraiment dans la troisième explosion, parce que tu reviens, tu es en train de gérer tes boules, faut vraiment faire les boules vite. Tu gères explosion, faut enchaîner, quoi. C'est un moment un peu tricky. De cette phase. Oui. Il y a du rythme en P1 pour nous, les heals. Vous avez vu, hein, ça y va. Faites attention à vos debuffs. Là, vous mettez vos pieds, repaquez-vous, évitez le rayon. Ça bouge beaucoup, mais vous allez trouver votre rythme. Je pas de beaucoup de bijoux. P2, vrai, hein, la transit est relativement simple. C'est une phase qu'est-ce de régène pour nous. La place. Donc, c'est vraiment ici qu'il faut s'accrocher. Et ensuite, à la P2, il faudra remettre un coup de collier. Mais là, c'est la mécanique à prendre. Hein, parce que le combat, il repose sur vous. Il faut tenir le raid. Voilà. Et petite chose, n'ayez pas peur d'utiliser votre mana, on va dire que vous aurez une petite phase de récupération. Oui, la phase suivante, il n'y a rien. 9 war, best. Merde, la phase suivante, il est très calme. L'optimisation. Tu vas venir avec toi ? Ouais. Non. Ah, quoi ? En plus, en DPS, mais t'as dit fou. Ça vous stresse, bon. Je me sens très stressé. Les marques dans deux, surveillez les debuffs. Allez, placez-vous. Là, tu peux envoyer ta tranquille avant que ça pète. Voilà. Pas très bien. Attention, souffle de G, à tout prix. Peu importe les CD, peu importe les castes. Et devant la zone pour le BAM. Je vais mettre les pieds dans la zone, ça vous évitera de vous faire le bump. Hein. Les gens de sont réduits aussi, les gars. Un peu. En quelques petits points. Allez, placez-vous les signes. Là, tu peux mettre ton SLT au catch. Enfin, là, on est tous. Tirez vraiment avec les signes. Respectez vraiment la distance. Plus vous êtes proche, plus vous prenez cher. Et si vous êtes proche des autres, vous allez prendre cher. Dodge. Chaque gobel là, le SLT c'est le totem de gain d'esprit. Oui, ça c'est le spirit. J'avais la bombe, j'ai pas. Ouais. Ah, ouais. Oh, c'est pas... Bah, si t'as la bombe, n'hésite pas à me le dire. Moi je claque mon CD, moi, et tu claqueras le tien après. Okay. Tu vois ce que je veux dire, t'hésites pas pour qu'on laisse pas le raid sans CD. Reste sur LB. Vas-y, retourne direct derrière, comme ça j'ai deux stacks. La retourne top trop. Non, je le retourne exprès pour le stack. Ok. Comme ça t'es tranquille. Ou alors on va en balance tout là. Non. Mais qui n'est pas réactif sur les pouvoirs, déçu. Il y avait. Alors vous êtes des ouf. Pour être repoussé. Il y avait ta zone là. Normalement c'est. Non mais. On doit le je te dis que. Ouais, mort, pour les clair, extérieurs mais. Pour le souffle. Je te l'ai reprise du coup. Allez, B, tape plus fort là. On le passera. Mon élémentaire il grid.
c'est dégueulasse. Il grid et après il se place. Bon, je vais juste pousser à la fin de la P1 pour que les gens voient un peu. Voilà. Vous voyez la transi, elle va s'envoler et théoriquement on va chacun de notre côté et on se fait battre à la fin d'un casse. Tu vas aller là, où vous pouvez sauter dans le vide. Groupe 1 gauche. Là, 4 morts, ça sert à rien. Pour ceux qui ont jamais été, voilà, c'est là exactement là, genre. Exactement. C'est ici qu'on se met, c'est groupe à gauche. Groupe 1 gauche, c'est ça? Et groupe 2-3 à droite? Je ne sais pas. Je prends une sacrée patate. Je vous le renvoie. Faut que je regarde le buff que ça m'a donné. Je ne me base pas sur 1-2-3, moi. Gauche, Alexa, Platoon, Mirage. 14% de temps. Non, Mirgal, pardon. Shinobu, Nero, Jorah. C'est sur nous, on va mourir là. Et droite, Elbi, Shago, Sleven, B et Fallen. Si vous avez Method Red Tools, il est envoyé. Vous pouvez taper slash RTNOT. Si vous n'avez pas Method Red Tools, retenez. Vous allez. Ou installer Method Red Tools. Si vous avez envie. Mais je. Il n'y a pas énormément d'infos. Juste que vous sachiez de quel côté aller. La plupart du temps, le mieux c'est de repérer le tank avec qui vous êtes et de suivre son tank. Bon, allez, c'est mieux de savoir. Ça, c'est bordel. C'est pas très dur de dire. Moi, je suis. Vous mettez un possible, je vais à gauche, je vais à droite. Je pense que B va devoir passer sur son démo. Ouais, il va nous falloir des dégâts, les gars. Ouais, B, il... du dégât. Oh là là, non, mais B. En dégâts, on est bon, en vrai. Faut qu'il y ait moins de fails, c'est tout. Ouais, on se prend quand même la troisième explo. Hein. Ouais, qu'à presque alors, à un moment, c'est normal, hein, la troisième explo. La console en plus. Ouah, pas en énorme. Parce que tu l'as fait en étant overgear, bro. Mais en étant pas overgear, c'est normal de voir la troisième explo. On a en considération aussi qu'on a deux heals qui ne sont pas overgear aussi. Donc leur rajouter une explo avant la P2, c'est pas rajouter une explo, c'est ce que je veux dire. C'est du rajout, d'accord. C'est pas du rajout. Comment ça c'est supplément ananas, là. C'est pas du rajout. Supplément ananas, foiré. Putain, je te jure, mon frère, chorizo ananas, là, j'ai une demande comme ça un jour. Oh, là. Chorizo ananas, ça devrait être bon, ça. Chorizo ananas plus œuf, hein, quand, d'où, aïe, aïe, aïe. Avec ça, t'as eu de... On fait un corps intra avec le warm-up. J'ai rien compris, t'as dit quoi? Et après, on avisera en fonction de ce que je vois. En plus, on aura des pierres de soins pour le raid, c'est mieux, tu vois. C'est grave. Ouais, bon, c'est ça, je dis rien. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Évidemment, vous avez écouté ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, quand t'as écouté. Mmh. T'as dit quoi? Il a dit qu'il fait un dernier try avec le Ward de Guerrier et après il passe sur son démo et après on avise. Ah, je cache, je me casse. Chino, pas sur ton main aussi. Je suis en heal. Bah, moi je peux passer heal, mais il va falloir quelqu'un qui DPS. Hein. Je vais voir Platoon. Et Platoon, il est pas dégueu en DPS. Hein. Ah, je suis comme Shino quoi. Non, c'est faux, t'es bon. Ouais, j'ai pas dit que je suis comme Platoon. Je suis comme Shino en DPS. Il a dit non, toi t'es bon. Est-ce que Shino n'est pas meilleur que Platon? Ah, c'est possible aussi. Oh, putain. Ça, par contre, à notre niveau. Putain, je veux pas créer un tige, mais dommage. Il est désagréable, le chaman, dans la vie. Non. Ouais, c'est pas. Il y a un corps de lantin comme moi. Et attention, on marque dans deux. Surveillez vos debuffs. Merde, qu'est-ce que je fais? Je suis quelqu'un. Et l'étoile s'est trompée, va plus loin. Allez, va, va, loin, va loin, va loin. Vas-y. Voilà, comme ça, moi, ça me laisse de la place. Si vous faites de la merde comme ça, écartez-vous. Le but, c'est que les zones soient loin de l'une de l'autre. J'ai décalé le losange, faites gaffe. On se place, ouais. Mettez-vous bien. Mettez les dégâts, mais j'ai pas limité assez. Attends avant de rez. Bah, cours. Vite dans la zone. N'importe laquelle. Ouais, le casse d'ascendance. Ah, allez. Ah putain. C'est un losange ? Oui, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelle du healing. Ouais. Attention, le souffle, on dodge. J'espère que tu maîtrises ta grille, quoi. Oui, j'ai un timer au-dessus de ma tête. Et j'ai l'habitude des timers de bombe. On se pack pour se faire repousser. On peut mettre un pied dedans comme le sous de Sika, ça évite de se faire repousser. C'est Steven qui l'avait dit, merci.
C'est qui J'ai le double CD. On reprend le mot après le deuxième. Qu'on n'avait pas déjà dit la Si vous avez des choses, claquez des choses. On n'aura pas de SLT. J'ai fait de la merde. Pour mon... Vous allez avoir le repousser, alignez-vous vers zone. Oui. Vous avez une zone. On évite le souffle. Ah, vous pas de casse. Oh non. On va avec son tank. C'est le crâne. Vite, le crâne. Donc t'as inversé les groupes, c'est cool. Du coup, Eblin a... On est que 3 là de... Ah non, 4. Ok. Oh, on est 4. Inverser les groupes, Psyka. Il manque Shino, il manque Myrgal. Ouais. Manque... Maintenant, c'est juste qu'il est pas du bon côté. Alors, il y a une note, sur le... suivez la note et vous allez arrêter. Sur la note, hein. J'en peux oui. plus. Genre, le fait que vous soyez. Attends, il y a des souffles. Moi, je veux une bagarre. On dort du côté Psyka. Mais ce genre de remarque, franchement, ça m'épuise. Préparez-vous à d'autres côté avec ça. Vous savez où vous allez. Oui, j'ai peut-être inversé par rapport à votre dernier soir, mais faites un effort, quoi. Merci. On esquive. Restez pas sur le trajet. Ouais, mais on perd du temps en attendant, parce que vous regardez pas la note, quoi. C'est pas faute de vous le répéter. On dodge côté Sika. Côté Sika. Il va falloir s'écarter pendant les ZAD sans doute. Ok, on s'écarte côté Alexa. On esquive côté Sika. On va attendre qu'elle arrive et on va bouger. Elle est sur nous, côté A. Ok, on va sur l'AD au fond. On a fini côté Sikam. Bah venez nous aider, on a encore un AD entier. Vous pouvez venir aider si vous voulez. On est là. Ça va souffler sur vous. Sur nous. Calme. Moins à gauche, plus à droite. Oui, alors vous irez sur les symboles qui sont la croix et le carré. C'est le même switch ici ou pas, Sika? Bien paqué en un point. Oui. Attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit, gros. C'est le même switch ou pas? Ouais. Burstez pas tout de suite, hein. Allez, les rouges à gauche, les bleus à droite. Paquez-vous, vous plantez pas. Vous claquez tout. J'ai pas de darkness en toi. J'ai pas pris le talent. Ouais, j'ai pas pris le talent, triste. Ah bah nous bump. Dans 10 secondes, nous. Oui. Je mets un... Non, je mets pas de totem, j'en ai pas. Bref, le but c'est de traverser le bouclier, enfin le souffle qu'elle va faire. Lutter contre l'anneau qui vous repousse. Prendre moins cher. Et vous rushez le boss là. Et dès que vous êtes sorti de ça, il y aura les charges, vous pouvez vous mettre un peu sur l'extérieur. Et si vous avez le cercle, vous courez loin. Et les autres, vous sortez les cercles. Exactement. En vrai, ça fait le dégât des H-Tank. Hein. Oui, c'est très mal des H-Tank. Vous allez avoir les boules, n'oubliez pas de cut votre boule. Non. Hey. Le repousser. De l'esprit. Et il y aura le shield qui va revenir. Rouge à gauche, bleu à droite. C'est bien.
essaie, on essaie vraiment, ouais. J'ai rigolé. Tu sais, prendre deux sacs, t'as aussi un dos qui fait plus mal, je sais pas si c'est hyper rentable. Il y a une boule derrière. Ouf, j'allais m'en occuper. Là, je vais pousser le track pour qu'on voit un peu toutes les mécaniques. Je pense qu'on passera pas à 30 on va voir. On a beaucoup de morts en DPS, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on claque l'anc. Ouais, j'ai une DR pour un DPS. N'oublie pas de me reprendre le boss. Ok. Avec des buffs pour le moment. C'est ok. Là vous voyez c'est le troisième shield, c'est le dernier de la phase. Donc les cartes sont une triquette. Et normalement là il va y avoir un autre qui va pas. Si on passe à la phase. Oh, on va passer. C'est serré mais ça passe. Cette phase là faut éviter la merde au sol, ça fait le bordel. Cet ad il va faire pop des petites boules qu'il faut dodge. Comme le givre du... Ah bah non j'ai... Non, j'ai... Non. Non. Bah non du coup... Bah, je faut regarder. Le plus important c'est surveiller le boss parce que voilà elle se casse et elle souffle et faut éviter. Éviter son souffle et éviter les boules. Restez pas dedans là. Là le gros va se téléporter, il y a des petits ads à dégommer. On se téléporte. Il faut les ralentir tout, on les détruit. Faut pas qu'ils touchent le gros. S'ils touchent le gros ça le soigne, ça fait les dégâts. Ça le monte. Et voilà. C'est la dernière phase avant la dernière. Et je vais rester précis prochain track. Ok. Tu veux prendre ton démo pour qu'on ait plus de marge, lui. Sauf que ça sert à rien, on a pas les dégâts. Bah ça nous donne plus de marge d'action quoi, les erreurs, mais... C'est les amis. Oh, c'est... Je le finirai. Je le finirai. Je l'aurai un voilà, coup. C'est bon, il est fini. C'est pas mal ce qu'on a vu toutes les phases du boss là. Vous avez tout vu. Vous avez tout vu là, c'est voilà. La dernière phase, il y a franchement, il y a rien de spécifique. Il y a juste les charges comme dans la phase 2 où vous écartez avec vos ronds. Si vous voulez bonus de dégâts sur le boss, prenez le Drake rouge. C'est le noir. Et le prendre. T'as un buff différent en fonction du type de dragon que tu prends avant d'aller sur le boss. Ouais, t'as le buff déco, c'est ça. Ah, mais ta mère ! Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. C'est pas grave, gros. Si, c'est pas grave. Je trouve ça un peu extrême, mais. Ah, j'aurais dû aller réparer avant, attends, je vais sauter. Non. Ouais, je sais pas si t'as pas. Au pire, avec ça, il doit être un G. Ouais, j'ai jamais eu de Reeves ou de Jeeves, mais. J'ai de quoi répa quelque part, oui. Ah bah, il y a un répa. Il y a Sota qui propose. Ça le permettra de le passer plus vite. Hein. Sauf s'il l'a déjà fait. Hein. J'avoue, demande-lui avant. Bah, si, il passera plus vite, puisque vous n'allez pas gagner un loot, c'est tout. Ouais, mais ouais, c'est pas intéressant du coup. Ah bah aussi il a eu pas mal de resets sur son mort de flamme avec les morts là. C'est sûr que c'est intéressant qu'il va tomber mais je pense que enfin là... Ah bah il est pas là. Let's go. Non. Aïe aïe aïe, il est en train de pioncer là. Est-ce que t'as besoin d'un... T'arrives dedans? Ouais je suis là, Il y a pas mal de heal en plus, de DPS en plus. Ah mais s'il y a Sota, c'est bon, il n'y a pas besoin de son démo je pense. Moi je peux passer heal si besoin. Non, je peux prendre mon heal, laisse-moi tranquille. Mais non. Bah si. DPS toi.
un ordre, maître. Non, mais je préfère que tu DPS, je suis éclaté. Bah, je passe heal et c'est bon. Moi, si y'a quelqu'un qui prend le relais en heal, je dis pas non, moi faut que j'aille. Bon, on va le tuer là, donc, non, reste là, pas bouger. C'est comme mieux, si tu veux aller te coucher, on peut te remplacer. Si tu veux rester, tu peux. Tu restes. Bah, y a quelqu'un qui... Non, non, moi faut que j'aille. C'est... S'il y a quelqu'un qui peut me remplacer, je. Ouais. T'inquiète, hein, c'est mon dernier try aussi, hein, à minuit parce j'arrête. Si tu veux le down, tu peux le down avec nous. Ouais, mais un dernier alors, parce qu'après. un dernier et au lit. On la tient par les cheveux. Eh, c'est pas envie de dormir, on va dormir. Oui, hein, vraiment. Moi je la tiens par les cheveux. Non, mais un dernier try, mais voilà, je peux pas try jusqu'à. Allez, let's go. Moi c'est minuit, dernier délai aussi. Mais les gens qui vont à gauche, hein, c'est Alexa, Platoon, Mirga, Shino, Nelo, Jora et Sota. Oui, oui. Ah oui, un avoir avec la gauche, ok. C'est pour les tranches de plateforme, hein. C'est, ouais, c'est ça, oui. C'est pour l'interface. Et toi, Ibli, t'iras à droite avec oui. Le DK. Okay. Et Chagobella, t'es à droite aussi. Hein. Oui, si je tire jusque là, parce que là, c'est bon ce soir. Bah bravo, hein. Ça ira, ça ira. Attends, j'ai oublié un joueur aussi dans le groupe. Ouais, B, il est pas. Pas B. Ah, ouais, j'avoue, il est où B? Ah, si. À qui j'offre le buff? À moi, clairement, je sais pas de quel buff tu parles, mais à moi. Non, c'est pour de la raison de mana au PD. Platoon, Platoon. Platoon. Avec plaisir, Sota, merci. Putain. Ah, ne paye pas B, sinon je m'en vais. Bah, tu veux payer qui là? Tu veux payer qui là? C'est pas le choix, c'est le seul officier qui est là. Paye Alexa. Y'a pas d'officier ce soir. T'as combien sur toi? Compte en banque ou compte WoW? Compte en banque, il y a 34 000. Compte WoW, il y a 200 000. Ce serait mieux l'inverse, hein. Quelqu'un veut venir à droite du groupe de gauche en DPS? Moi je peux venir si tu veux. À droite du groupe gauche? Parce que j'ai peur qu'ils aient un peu trop d'AOA là avec Sota qui se rajoute. Ah bah attends, à droite? Sota est à droite? Non, il est à gauche. Mais saute à droite. Je vais passer chez nous à droite. Je suis passé avec après, t'en fais pas, hein, je suis à droite, cousin. Genre, respecte-moi un minimum, quoi. Non, mais ça va, justement. C'est juste qu'en évoqueur, il est solo, vous êtes quasiment bon. Je préfère avoir des noobs côté droit pour que je puisse DPS, quoi. Il y a quand même Nero et Nelo. Voilà, je fais un mélange entre Jorar et Nelo, quoi. Je suis en précis, là. Je suis pas en. On se peut bête, là. Je suis en précis pour les ads. Je suis pas tout seul pour les faire. Donc, ça suffira, on a point. Donc, il y a 7 nuls dans le groupe 3, là. Okay. De toute façon, on a 4 joueurs par côté. Hein. Allez, go. Ouais, let's go. J'affiche juste que j'ai bien tout le monde. Hop là, mon flamant. On a plus de buff puissance. La puissance. Vas-y. J'aurais peut-être dû faire swapper chez mon lit quand même. Pour sécuriser. Il y avait Faye au dispo, si vous avez besoin. Parce qu'on a besoin de son DPS quand même. Sinon après on va être trop court DPS. Allez, go BL là, je sais pas ce que vous faites. Bon, si on fait un dernier try après à l'arrache. Ouais, il faudra aller penser. Toi, tu me décales un peu sur le bord à chaque fois. Bon. C'est juste pour pas pull et que je prends direct l'aggro, du coup je peux pas bouger avec mon banc de flamme. J'ai des buffs, placez-vous. Là tranquille. Parfait. Ah ouais, non mais les gens qui whispent pendant les on trains. On est vite. On se replace pour se faire dump. Il y a des buffs dans deux, surveillez vos debuffs. Allez, placez-vous. Pas. Faites gaffe à vos boules, spreadez-vous, j'irai vos doules. N'hésitez pas. Ah non, viens pas sur moi. Il y a encore Fantomie. On place vos marques.
si vous n'êtes pas au bon endroit, écartez-vous, l'important c'est... j'ai eu la bombe là. On se placera en conséquence sur la marque. On se faire repousser. On va garder la reste parce que c'est de mon côté, c'est pas grave. On va le faire. Ouais, ouais, tout ça pour favoriser utiliser. Et je préfère au cas où j'ai une mort critique. Et Bi, faut que tu me whispes un fût, sinon moi je te rate. Ouais, voilà. Moi aussi tu m'en rates en tout cas. Bah, tu m'as pas whispé un fût. Ouais, j'ai te whispé autre chose. Je vais t'enlever le buff, tu vas comprendre. J'ai. Et si je fais tes cicatrices. Question de twist, je vais twist en raid. Bah ouais. Hein. Attendez pour bait, finissez les ZAD et attendez deux secondes. Ah, il m'énique mon burst en plus. Oh, vous l'avez payé ou quoi? Attends, va pas sur les ZAD. Ok, c'est bon, faut y aller. Let's go. Ouais. Il va y avoir le souffle des cicatrices. Esquivez-le. Si vous êtes trop en arrière, vous pouvez attendre, hein, capace, au pire. Ça me plaît rien à voir. Hein. Alors, attendez un peu, restez décalé. Ah oui, c'est pour ça que n'allez pas au cac. J'ai rééquilibré parce que. Ok, let's go au cac. Vous avez dégommé les gars. Ah, la cicatrice, on décale sur la gauche. Typo. Prenez la main. On a fini. Alors, B, on ne venait pas, c'est bon, on est en train de les tuer. Comment ça, tu es où B? Moi je le vois devant toi, frérot. Mais non, parce qu'on est du même côté. Moi, laisse tomber, laisse-le parer, laisse-le parer, c'était pas le truc. Ah, ils arrivent. Attention à vos coups. Il va y avoir le shield. Allez, vite sur votre symbole. Préparez-vous, appuyez fort sur vos touches. Rouge à gauche. Allez, ça va. Attends. T'as l'habitude du HM. Comment ça dure, là-bas, le bon côté presque. Je vais pas crever là, tu vas jouer. Je vais venir dès le début. Bah ouais, j'ai pas un clé comme ça. T'as. Ah bah. ouais. Attention, on va être repoussé. Apparez-vous à courir. C'est le seul boss que j'ai pas tué cette semaine. C'est normal. Ouais, mais ça vous avait fait un bout de coup. Hype. Allez vers le banc là. Et sortez les cercles, les amis. Ce débat fait vraiment mal. Il faut vraiment miser moins de personnes qui m'ont. Un truc bien fait. Il va le repousser. Et qui m'écoute toujours pas, ça fait toujours plaisir en gros. Ouais, j'ai claqué mon. Je pensais que j'allais vivre avec mon putain de bouclier de merde. Je sous-estime les collègues. Ouais, enfin j'ai pas pris de. Enfin bref. Oui non. Pacte-toi, Mirga. Non, tu n'as pas le buff, tu me fais pas de dégâts. Et pas de heal aussi. Ah là 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 là. Vous allez voir les sparks à gérer. S'il y a un terron, votre orbe, et à vous, spread. Ça s'enchaînera avec un bum. Derrière, il y en a deux. Non, on a pas eu de débuff. Normalement, qu'il n'y a pas de débuff, quand même. Moi, j'en ai purgé une. Charge. Et à combien elle s'envole? 25% ou 0 du machin. En haut de ta. J'espère que
toujours avec le bâton 421. On va voir le troisième shield. Je vais même pas commenter la mine. Je te taunt avec ça maintenant que je sais. T'imagines t'aurais pu avoir une arme 421 améliorée. Ouais, on va être à 30%, c'est correct. C'est ok de chier. Je vais me permettre d'avoir la baisse là-bas en fait. Peut-être, on va voir, ça dépend. Je crois qu'on dégomme quand même beaucoup là dans ouais. Repousser et je pense qu'elle va transiter en montée charge. Ouais. Donc là, c'est la phase de lab. Priorité numéro 1, éviter le souffle. A tout prix, regardez où elle est. Quand elle souffle. Et il faut 2, éviter le reste. Et 3, les petits œufs. Priorité 2, le reste, très bien. Attention au souffle. Je stun en premier. Ok, t'as pas l'ambiance hein. Ah, je fais des bêtes avec mon ami. On a un kick paddle avec nous en plus, donc c'est bon. Ça va B, tu t'es fait plaisir. Pourquoi je reste dans les avoirs? Souffle, attention au souffle, on en sort. Les distances, slowez les ads, donnez-les, allumez les snoops avec vous. Il devrait mourir avant le prochain spawn de petit ad. De toute façon j'aurais pas eu le temps de pad donc ça sert à rien, je tape. J'ai gratté comme jamais. Oh ouais, puis encore des ads. Je fais le gros, on s'en fout des ads. Ouais, j'ai plus de vie. Juste un slow dessus. Esquiver le souffle quand même, je pense qu'elle va cancel. Dans le doute, esquiver. C'est bon. Faut se paquer sur 6K. Foncez, un petit grab pris sur les gens en arrière, bro. Chagobella, aligne-toi. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ou tu. Je pense à la poubelle? À la poubelle. À la poubelle. 40 secondes et on a la BL. J'ai une pierre d'âme, je l'utilise ou pas? Vous voulez garder pour quelqu'un d'autre? Raisin heal, y'a plus qu'un heal. Ouais. Donne le moi, je suis en méta. Oui, oui, il a foqué. Oui, non. Oui. Vas-y, vas-y, viens. Va t'amuser avec nous. Mais non. Non, 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 j'ai pas de chance. À tous les coups que je respawn, y'a toujours une merde. J'ai pas entendu Sika. Vous allez avoir les charges? On est déjà accéléré. Sortez de vos potes, sortez de vos potes. N'oublie pas que ça cliff, faut pas que tu fasses sur moi quand on va faire le truc temps. Personne devant le boss. Sinon ça instant le raid, ça serait dommage. Vas-y. Donc là je te retonne à ce moment là. Je sais même pas si ça fait switch, bah je testerai. Allez de la VBL hein. Taunt le moi pendant le rayon pour voir. Non, la BL instant. À 0-0-0, il était déjà. Il y avait déjà la BL. Sota il a été même plus rapide que moi. Il a pas blagué après. Bon, il reste 4 millions, je veux pas prendre le risque moi. J'ai pas envie de faire de la science ce soir, je le fous. GG Platoon, t'as tenu tout seul. Ask, ask. Ce qu'elle lui a dit hier soir. Oh non, j'ai TTP au Riboss. Valdraken. Pardon, j'ai foiré la blague. Ah, Sika. Ah, rien, tu voulais ta tête, Sika, nickel. T'as eu le proto-drac. Non, tu me le donnes, Sika, je suis venu exprès. Ouais, pourquoi? Moi, j'étais pas venu exprès, gros. Pourquoi j'ai les loot? Avec mon DH. J'ai pas dû avoir tous le RC loot d'activer, c'est pas grave. GG les gars. GG à tous ceux qui sont venus, merci. Youpi, je ne le tomberai jamais sur mon fufu. Pour être présent,
Merci à B, Alexa. C'est traumatisant malgré mes coups de langue de temps en temps. Ouais. Ouais, merci. Oh, attends, merci à vous. Excusez-moi, merci B, Alexa et Sota d'être venus sur l'armée. Moi je suis en entier. Alors, c'est pour le Switch. Moi je suis venu considérer comme un reroll en fait, désolé. Tu es en Spedius, Leven, déjà pour commencer. Je suis venu considérer comme un reroll, c'est une chose. Non, tu es en Spedius. Non, heureusement qu'il est. Tu poseras un totem viable, ils ont dit qu'ils proberaient. Ça y est, depuis que j'ai mon arme 421, c'est ma Spedius là, la milieu. Après, moi je tiens à dire, on m'a niqué mon burst, B il était devant, il est mort au normal. Sa place, elle est sur du mythique, on va discuter. Sa place, elle est je vais rien dire. Sota, tu remarques quand même, hein, parce que B, il a quand même eu l'API, hein, plusieurs fois. Non, va te faire, va te faire. J'ai eu zéro PI sur mon putain de portail, c'est aussi gonflé encore. DPS, deux fois ah, t'as eu 40 secondes de PI, B, hein. Ouais. 40 secondes de PI, hors tyran, hors portail. Ouais, là, et ouin, ouin, ouin. Impeccable. Impeccable. Pour lancer plus vite les Diablo, quoi. Ouais, je vous aime bien, mais je vous laisse, du coup, bonne nuit. Joyeuse nuit. Allez, bisous. Pareil. Merci à vous de nous avoir accueillis, en tout cas. Avec plaisir. Ah, j'ai été traumatisé par mon autorité. Ouais, non, mais non. Non. Ton dictatisme, c'est pas pareil. Allez, bon, allez, au plaisir. Faire foutre, toi. C'est pas le moment d'attaquer sur des choses que je peux pas éviter. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Waouh, ok. Bonne nuit. Bonne soirée, hein. J'ai fait mon host. Il y a des mecs pas clairs. Tu veux dire quoi? Qu'il y a des mecs foncés, c'est ça? Waouh! Ouais, super! La vie de ma mère, à chaque fois que je vous écoute, j'ai l'impression d'être au bout du coin. La vie de ma mère, c'est là. Alex, ouais, beaucoup de ta mère quand même. Qu'est-ce qu'il a? De quoi? C'est maintenant qu'on va faire. J'ai pas entendu. C'est maintenant qu'on va faire Counter-Star. C'est maintenant qu'on va faire Counter-Star, là. Bah, ça dépend, est-ce qu'il y a si quelque chose. L'arc, il est pas tombé une seule fois. J'avoue. C'est alors vrai, que les autres Loutrars, ils sont tombés. Ouais. Plusieurs fois. Il est tombé la soirée, le boss, là, j'ai pas fait. L'arc, non. Le boss. Mais... Ah oui, il vient de tomber juste avant. Malheureusement, non. Bon, moi, j'ai un peu amélioré mon mono, ça me fait plaisir. Moi, j'ai tout volé ce soir. J'ai volé la griffe torche, j'ai volé mon 4 part. J'aurais pas dû jouer en pressé. C'est le karma qui rattrape, tu vois. C'est, il y avait trop d'AO. C'est soirée à aider les gens. Moi j'avais besoin de 4 parts sur mon body, mais. J'ai pas token. Mais non, faut te faire son LM maintenant. Je vais aller. Tu veux jouer LM. Je pense manger un bout ou un truc comme ça. Ça me pose de quelques minutes. Après, si l'LM était agréable à jouer. Bah, je la trouve pas hyper. Ah, c'était pas gagné. Bah, en fait, c'est que, aucun plaisir à jouer LM. C'est un LM, donc ça passe. Quoi. Mais t'as aucun plaisir à c'était jouer. Cool. En fait, tu peux regarder un film. J'ai bien juste appuyé sur haut et en plein, mais explosion de la vécu. Discord. Bon, c'était bien cool. J'espère que vous avez kiffé. Ça a duré combien de temps? Putain, 2h50 le raid. Waouh. Ouais, carrément. Déjà minuit. J'ai les yeux qui pleurent de fatigue. Ah. C'était cool. J'aurais bien aimé un peu plus mon fufu, mais c'était sympa déjà. Pourquoi ça? Ah, je suis en PVP, c'est ça. Ok. Et du coup, moi, je vais vous dire bonne nuit, du coup. Je vais me reposer, je pense. Allez, à plus tout le monde, du coup. Je vous dis bonne nuit. Bye bye.